chers amis, bonsoir. 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 Vous allez bien? Vous êtes heureux? Bah toujours. Bon, voilà. Nous sommes sur Armada, une télévision, une radio extraordinaire que tout le monde écoute, bien sûr. Et nous sommes vraiment contents de vous recevoir. Alors, vraiment un éventail d'artistes extraordinaires, de personnalités en tout genre, tous horizons. En tout cas, on va passer une sacrée fin de journée en ce samedi après-midi. Pour commencer, chers amis, je vais vous présenter les différentes personnalités et invités. Nous avons tout d'abord Jean-Luc Romero, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Bonsoir. Président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Oui, ça plombe tout de suite, là. ADMD, voilà. Et qui vient de sortir surtout un dernier ouvrage, n'est-ce pas, Le serment de Berne. Voilà, on va en parler, bien sûr. On va parler de ce sujet un peu difficile, mais en même temps, plein d'espoir. Ah, c'est bien ça. Sûr. C'est surtout ça la qu'il faut. La fin de la dire. Vie, c'est la vie. C'est la vie, absolument. Merci infiniment, Jean-Luc, d'être parmi nous aujourd'hui. Nous aurons également regardé, toujours aussi jeune, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ah oui, j'ai un secret, mais je... Mais à part que j'ai du micro. J'ai un secret, mais je ne vais pas le dévoiler. C'est incroyable. Jeune, dynamique, c'est comme Jean-Luc. Vraiment en pleine forme, tous les deux. Bah oui, alors. Hein, ça, c'est formidable. Bah ouais, alors, il faudrait qu'on soit malade. Ouais, ouais, puis surtout, il faudrait qu'on soit vieux. On n'est pas vieux avec Jean-Luc. Jeune, éternel. Un éternel adolescent, c'est vrai, Jackie. Oui, peut-être, dans la tête, déjà. Oui, oui, mais c'est très important, tout se passe dans la tête en fait. Alors Jackie, bien sûr que tout le monde connaît Jackie, je ne vais pas le présenter, mais Jackie va nous parler de Serge Gainsbourg, parce que vous avez été un peu son attaché de presse. Bah, un peu beaucoup même, un pendant 8 ans. 8 ans, voilà, oui. C'est ça. Oui. Alors pourquoi Gainsbourg? Parce que depuis quelques semaines, eh bien, il y a la maison de Gainsbourg qui est transformée en musée, on peut le visiter, voilà. Il y a plein de choses à dire, plein d'anecdotes avec notre ami ici présent, monsieur Jackie, bébé ange. La belle, la délicieuse, bravo. La sucrée, la veloutée, la souriante, la merveilleuse. Bébé ange. Sur le podium, on n'a plus le droit, on n'a pas le droit à ça, nous. Ah, ben bah oui. Ben oui. On a des jaloux, là. Il y a des jaloux, hein. Oui, mais bébé ange, c'est une belle histoire d'amour, tous les deux. Hein. Voilà, artistique, bien évidemment. Alors, bébé ange nous vient du Cameroun, parce qu'elle a enregistré son tout dernier clip. Oui. Et prochainement, un album. Voilà, c'est ça. On parlera de bébé ange aussi, hein, parce que modèle, comédienne, actrice, chanteuse, enfin voilà, plein de choses à dire sur bébé ange. Alors, que dire de la délicieuse, de la reine de la nuit? Oui, comme bébé ange. Mannequin, jeune, belle. Jeune, belle. Oui, oui. Veloutée. On est un petit peu pareil, toutes les deux. Hein. Bon, avec un petit décalage horaire, quoi. Oui, d'accord, je te remercie beaucoup. Mais enfin, ma chère Yvette, vous êtes là, ça nous fait grand plaisir, parce que vous avez une belle actualité. Mais oui, je sors mon nouvel album pour fêter mes 20 ans de mon retour sur scène. Donc, un vinyle avec 14 titres et un digipack, comme on dit aujourd'hui, hein. 16 titres, que des chansons originales, voilà, que j'écris, pas toujours toute seule, et avec des compositeurs merveilleux, des petits nouveaux, des anciens, dont une petite nouvelle formidable que j'adore, qui est mademoiselle Marie-Paul Bell, qui m'a composé deux musiques, voilà. Petite nouvelle dans mes compositrices, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Voilà, et je suis très très fier de chanter sur les musiques de mon idole. Il y aura du live, donc avec moi, c'est pas facile. Ça va être compliqué. Bon, on va essayer d'y arriver. Voilà. Regardez, Yvette. Oui, c'est très bien là. Hein, vous êtes. Et franchement, Yvette, non, mais je fais tout pour vous séduire, oui, Yvette. Hein. Alors, c'est le beau Geoffroy. Oui. Godefroy. Regardez, il est stylé. Dans le film. Il est stylé, n'est-ce pas? J'ai bien compris que c'était la touche charme de l'émission. Et c'est même pas l'intouchable. Avec sa rubrique, alors, on va parler de quoi? Alors, on va parler de plein d'actualités qui sont passées sous les radars. On va parler d'agriculteurs qui enterrent des slips pour avoir une idée de la qualité de leur sol. On va parler de nains en colère contre la nouvelle version de Blanche-Neige. On va parler de plein de choses, ça va être formidable. Bon, très bien. Oh, alors, regardez, juste à côté de vous, la belle Céline Aviani. Une découverte des tremplins. Voilà. Prends ton micro. Voilà. Prenez le micro. Alors, vous êtes auteur, compositrice, interprète, bien sûr. Voilà, on vous a découvert, c'est pas très très longtemps en fait, non. Mais franchement c'est génial parce que vous écrivez bien, vous composez, vous avez du charisme. Merci. Voilà, vous êtes sympathique. Ben, c'est gentil, merci. Et donc tout pour plaire. Ben, je n'en sais rien, en tout cas je suis contente d'être là ce soir.
C'est un plaisir, merci Christian. On s'était rencontrés en mars, je crois. On s'était rencontrés en mars au concert de Vanille. Oui, la fille de Julien Clerc, tout à fait. Que l'on embrasse très fort. Ouais. Et puis juste à côté de vous, Emmanuel Carrière, voilà, qui travaille sur la médecine du futur. Alors qu'est-ce que c'est que la médecine du futur, Emmanuel ? C'est la médecine des ondes. Oh, et de la vibration. Des ondes. Ouais, des ondes. Des radiofréquences. Alors nous allons vibrer. Alors nous allons vibrer ensemble, n'est-ce pas, Yvette? Yvette va vibrer. Avec nous. Ah, ça, c'est des grandes ondes avec moi. On va bien rigoler. Je sens que ça vibre de partout. Il y a de bonnes ondes dans la. Vous avez compris, il y a vraiment de très bonnes. C'est deux heures à passer, ça. Bon, on va essayer de finir quand même l'émission, ma chère Yvette. Hein. Voilà. On a commencé surtout. Oui, on va commencer, mon cher Jackie, vous avez raison. Bon, et nous aurons également notre ami Isor Montfort dans une poignée de secondes. Mais je tiens avant tout à remercier Rabat, le directeur de l'antenne, qui fête ses 25 ans. C'est 25 ans. Applaudissements pour Rabat. Eh oui. Erwan à la réalisation, Eric Durand à la communication. Voilà. Nous allons donc prendre notre petit casque et nous allons être en contact avec Isor Montfort. Bonjour Isor. Bonjour Christian, bonjour à tous nos invités, bonjour à tous les auditeurs et à Erwan également. Bon, première question, est-ce que Nelson est en pleine forme ? Eh bien oui, il nous écoute. Ah ben il faut l'embrasser Nelson alors, ah très oui. Bien. Alors ma chère Isor, Isor, vous avez donc de bons plans à nous soumettre, vos sorties tout à en fait. Exactement, alors plein de jolies sorties, alors des sorties cinématographiques pour cette semaine. Très bien. On va commencer par le film Nouveau Départ, le film de Philippe Lefebvre. Et je vous laisse découvrir un petit extrait et je vous en reparle juste après. Parfait. À l'éternelle jeunesse de la femme que j'aime. 25 ans de boîte. Tu demandes un truc. À l'amour de ma vie. Bon, écoute, va chercher le gâteau et qu'on en finisse. Sensation de chaleur ? Aucune. Vous avez pris un petit peu de poids ? Non. Bah donc c'est génial, vous n'avez aucun symptôme de la ménopause. Ouais. Je te dis qu'elle n'a pas d'amant, arrête avec ça. Ton amant c'est Stéphane, point d'interrogation, c'est qu'il y a un doute. Vraiment, je ne suis pas avec cet homme, c'était un jeu. T'es amoureuse de moi ? Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on n'est pas des amoureux, c'est pas... On est quoi ? On est un couple. On se sépare. Quoi ? Moi je t'aime, alors j'agis. Il faut qu'on se manque, qu'on ait peur de se perdre. C'est dangereux Alain. Je sais. Tu devrais faire un papier là-dessus. Célibat 50 ans, nouveau départ au mode garage. Maintenant, tu prends du plaisir, ça te plaît, tu gardes, ça te plaît pas, tu jettes. Kif, 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 kif. Aïe, oh, la honte, je suis bloquée. Parce qu'il s'éclate, tu crois ? Quand ça va savoir, ça va être l'émeute. Alain, l'artiste, le beau gosse, pas de ventre, tous ses cheveux. Je me régale. T'es venu pour manger. Oui. Maman, c'est ta vie que t'as décidé de prendre en main. Et on s'en fout que machine, elle ait 35 ans. Elle a 35 ans ! T'es sur haut-parleur ? Non. Premier rendez-vous, toujours chez la fille. Comme ça, tu la déglingues et tu rentres chez toi. Mais tu plaisantes ? Mais Thierry, tu vas pas me laisser comme ça ! Thierry ! Désolé, je n'ai pas compris votre demande. Eh oui, eh oui. Thierry. Bon, alors, comme vous avez pu voir, c'est tout un programme, hein, ce nouveau départ. Donc, c'est l'histoire d'Alain qui est interprété par Franck Dubos, qui est amoureux de Diane, on retrouve Karine Viard dans le rôle de Diane. Et Alain est toujours aussi amoureux après 30 ans de vie commune, mais il va se rendre compte que malheureusement, ce n'est pas réciproque pour Diane, qui est un petit peu rentrée dans le train-train du quotidien. Et il va décider de la quitter et de tout faire pour renouveler la flamme entre eux, pour retrouver l'amour et la passion des premiers jours. Mmh. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il joue peut-être un jeu dangereux. Ah, c'est dangereux, ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est une comédie avec Karine Viard, Franck Dubos, Clotilde Courau, Tom Lehm. Et on rit beaucoup. Et voilà, je vous invite à découvrir ce film qui est actuellement à l'affiche au cinéma. D'accord. Alors, on va poursuivre avec un autre film, donc le film de Guillaume Nicloux qui s'appelle La Petite. Et je vous laisse un petit extrait juste avant de vous en parler. Ok. Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils.
d'avoir su qu'il était homosexuel. Mais ça, ça m'était égal. Ils attendaient un enfant ? La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita Van de Velde. Elle vit à Gand, elle est une petite fille de 9 ans. Rita Van de Velde. Not comprend, nage, nicht. Et elle vend des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle. Bonsoir. Je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je suis comme vous. Je suis une victime collatérale. Comme moi ? Non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, non, ce que je veux dire... Non, je devais toucher la moitié du cash au deuxième trimestre. Et puis le reste à la naissance. Là, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Maman, il y a le type de la dure qui revient. C'est pas vrai, faut vous le dire comment, là ? Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi. Il était moins relou que vous, hein. Vous voulez écouter le cœur ? Vous allez l'élever chez vos parents ? Je la mettrai à adoption, j'ai pas le choix. On peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents. Ah non, justement, non. On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils. Mais moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant ? À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Faut passer à autre chose, papa. C'est ma petite fille. Je ne lâcherai pas. C'est comme ça. Alors, la film, petite, hein. Donc là, vous avez compris qu'on a changé de registre. Ah oui, voilà, oui c'est sûr. C'était un peu moins drôle. Hein. Oui, c'est une comédie dramatique, mais c'est, voilà, c'est vraiment c'est très touchant. Ça parle évidemment d'un sujet de société qui n'est pas encore autorisé en France, puisque ça parle de la gestation, enfin la grossesse par autrui. On retrouve Fabrice Luchini dans le rôle de ce père et de ce futur grand-père qui apprend ce décès tragique de son fils, que son fils avait entrepris des démarches pour avoir un enfant, et il va tout faire donc pour retrouver la trace de la mère porteuse de cet enfant, pour connaître son petit-fils ou sa petite-fille, puisque au début du film, on ignore le sexe de ce petit bébé. Et dans le rôle de la mère porteuse, on retrouve Mara Takin, qui est une actrice que j'ai trouvée très, très touchante dans ce rôle de jeune mère un peu perdue, qui se retrouve confrontée à ce drame et qui ne sait pas trop comment réagir. Et va se développer une très belle relation entre elle et le personnage de Fabrice Luchini, puisqu'au départ, elle va l'accueillir un petit peu brutalement parce qu'elle ne veut pas de lui dans sa vie. Elle est suffisamment bouleversée par la mort du père de ce futur bébé dont qu'elle ne veut pas garder. Et puis quelque part, elle va devenir pour ce grand-père une sorte de fille de cœur. Donc c'est voilà, une comédie dramatique, mais très touchante et très bien jouée. Au programme, on continue Isor avec. Alors là, on va retrouver un petit peu le sourire. Oh. Donc c'est pour ça. J'ai essayé de bien organiser la filmographie pour pas que ça soit trop triste. Donc là, vous allez retrouver le sourire avec le prochain film d'Éric Toledano et Olivier Nakache que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Ça sort la semaine prochaine. Ça s'appelle Une année difficile. Ne vous fiez pas au titre. Je vous laisse découvrir un petit extrait, je vous en reparle juste après. Allez, d'accord. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, là, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup ? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit ? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain. Là. Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît ? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as mis ton t-shirt ? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non ? Tu sens l'impact, là ? Ah oui, je sens l'impact. Bon. Bravo, regardez ! T'as besoin de thunes ? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Comment ça se fait que le monsieur est passé, là ?
Et on fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 balles? Mais sérieux? Obéissance à la loi, dispersez-vous! On ne descendra pas! Viens-nous chercher! Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Il se passera rien entre nous. On ne descendra pas! Viens-nous chercher! Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Objectif ! Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux, au Noël dernier ? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein ? Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Voilà, donc Une année difficile, le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. On retrouve au casting Pio Marmaille, Jonathan Cohen, Noémie Marlan et Mathieu Amalric notamment. Donc c'est l'histoire de deux hommes qui sont interprétés par Jonathan Cohen et Pio Marmaille qui sont assez perdus dans leur vie, qui sont tous les deux qui ne se connaissent pas et qui par hasard vont faire connaissance puisqu'ils sont dans la même situation de surendettement. Mathieu Amalric va essayer de leur venir en aide mutuellement, non sans mal. Et puis, ils vont décider que finalement, avoir un engagement associatif pourrait peut-être être la solution à leurs problèmes, puisque à l'occasion d'une manifestation, en passant dans la rue, ils vont rencontrer des personnes engagées dans une association. Et se rendre compte que c'est peut-être facile d'avoir des repas gratuitement par le biais de cette association. Donc, sous prétexte de s'engager, d'être des hommes très engagés et très volontaires, plein de cœur et de générosité, ils vont plutôt être des profiteurs des bénéfices de cette association et manger gratuitement. Eh bien, voilà. Et bien évidemment, quand on leur proposera de donner une petite participation pour les différentes manifestations de l'association, évidemment une manifestation de leur choix, et leur choix sera de faire un don de 0€. Voilà. C'est bien, bon, c'est parfait. Et ils vont par hasard rencontrer Noémie Merlan, qui est une jeune militante qui fait partie d'un groupe de militants. Enfin, Noémie Merlan, c'est l'actrice qui interprète le personnage. Très justement, d'ailleurs. Elle est très touchante. Elle est très drôle en même temps. Mais en même temps, elle a dû garder pour ce personnage son sérieux. Parce qu'elle est vraiment à l'opposé de ces deux hommes interprétés par Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Et elle doit être sérieuse. Elle est très engagée. Alors, toujours avec humour, mais elle défend un combat contre la société de consommation, notamment. Elle a plein de valeurs qu'elle va essayer de transmettre à ces deux hommes. Voilà. Eh bien, nous verrons ça. Il va y avoir pas mal de péripéties. Il y a pas mal de péripéties, ça on l'a bien compris, ça va être super. Alors, est-ce qu'il y a une autre sortie? C'est très drôle. Est-ce qu'il y a J'ai une autre sortie à vous proposer, Christian. Alors donc, allons-y. Alors, c'est une future sortie éventuelle pour vous, puisque ça se passe demain au Palais des Sports de Dôme de Paris, Porte de Versailles. Oui. C'est un concert des plus grands airs de comédie musicale. C'est demain à 17h au Palais des Sports. Et ce sera par la suite en tournée dans toute la France. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais en tout cas, voilà, c'est une idée de sortie pour vous, pour nos invités et pour tous ceux qui nous viendrons à 17h. Si vous aimez les comédies musicales, ça devrait vous plaire. Ah ben moi j'adore les Jackie, vous aimez les comédies musicales? Je déteste les comédies musicales. Vous détestez, c'est bien. C'est ça, bien sûr. Jean-Luc. Ah, moi je suis complètement fan. Oui. J'adore. Bah oui, parce que c'est... J'adore. Non, c'est un peu dangereux là. Là vous entendez. C'est sûr que je vais parler de la mort dans quelques minutes. Si on m'a chanté, ça va être terrible. Merci Isor, merci pour ces bons plans et rendez-vous demain 17h, c'est bien ça? Avec plaisir Chris, demain 17h au Dôme de Paris, Porte de Versailles, Palais des Sports. Porte de Versailles, merci beaucoup, on vous embrasse et on vous applaudit ma chère. Bravo.
Le cinéma se porte bien. Hein. Oui, c'est formidable. J'ai beaucoup de films en ce moment, c'est formidable. Hein. Et puis les spectacles aussi. Ouais. Hein. J'ai vu Acide est très bien, Dogman est très bien. Bernadette. Bernadette, évidemment. Ah, évidemment. Ouais. Et l'Abbé Pierre qui sort bientôt, oui, que j'ai vu la semaine dernière. Ouais. Non, c'est chouette. C'est magnifique. Un beau revival du cinéma français. Contemporain, quoi, des films d'avenir. Ah non, mais l'Abbé Pierre, c'est très contemporain. Non, mais je vous conseille d'aller le voir. Vraiment. Très différent d'Hiver 54, je suppose. Oui. Voilà. Vous sortez beaucoup, Emmanuel ? Parce que vous avez un emploi du temps très chargé ? Non, pas en ce moment, non. Non, ah. D'accord. Non, je ne sors peu. Ah. Céline ? Oui, j'essaye. Je voudrais sortir plus, mais moi, j'ai une double activité. Donc, professionnelle, il faut gérer entre tout. Ah, c'est pas facile. Non, c'est de l'organisation. Bien, alors que le débat sur la législation de l'euthanasie et le suicide assisté est relancé en France, le président d'honneur, alors qu'il était, vous étiez président oui, d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, voilà, qui est la plus grande association, je crois, en France. Hein. Elle est, oh non, il y en a d'autres, non, mais elle est très importante. Enfin, celle-ci est quand même assez importante. Jean-Luc, c'est un sujet qui concerne tout le monde, donc évidemment, bien ça sûr, attire un peu de monde. Jean-Luc Romero, Michel. Oui. Voilà. Milite depuis des années pour que chaque Français puisse choisir les conditions de sa fin de vie. C'est très important. Celui de pouvoir choisir le moment et la manière d'éteindre la lumière, tout simplement. Vous venez de sortir un nouvel ouvrage. Juliette qui chante ça. La chanteuse, oui. Juliette, qui est une très belle chanson. On adore, ouais. Très belle chanson de Juliette. Ouais. Vous venez de sortir un tout nouvel ouvrage, Le Serment de Berne, de la mort solitaire à la mort solidaire, aux éditions L'Archipel, avec une préface de votre amie Lynn Renaud, que vous connaissez depuis longtemps, depuis vos 18 ans, je crois. Oui, je raconte, il y a un chapitre qui lui est consacré, ouais. Parce que c'est bon, essayez de ne pas être trop plombant dans ce livre, mais si c'est un sujet à la fois difficile, mais à la fois de vie. Et ouais, j'avais envie de raconter comment on s'était connus et voilà, c'est une belle histoire qui dure depuis longtemps. C'est une femme incroyable qui a quand même beaucoup de courage, on l'oublie, notamment quand elle s'est investie dans la lutte contre le sida à un moment où évidemment on parlait de la maladie, comment dire, de la peste rose, etc. Et elle a eu beaucoup de courage, le cancer gay. Et elle a eu, à l'époque, elle s'est beaucoup fait insulter. Et puis voilà, et puis elle a ce combat maintenant, puisqu'elle, comme elle dit, son dernier combat, le combat de pouvoir choisir les conditions de sa fin de vie, elle le porte merveilleusement. Et encore il y a quelques jours, avec un téléfilm très beau qui est passé sur France 2. Sur France 2, merveilleux film. Elle était en plus votre première invitée, je crois, sur Fréquence 2. Oui, c'est vrai. Parce que pendant ma jeunesse, c'était la première radio homosexuelle à émettre 24 heures sur 24. On est tous des bénévoles. Moi, je ne suis pas du tout un animateur. Je ne suis pas Jackie, ni vous, cher ami. Mais j'ai fait pendant un an et demi, j'étais dans cette radio et c'était génial parce que j'avais une émission qui s'appelait. Enfin, tous les jeudis, pendant 2 heures, je recevais des invités politiques, etc. Et j'ai reçu des. Et c'était à l'époque, dans les années 80 quand même. Donc, parler de l'homosexualité, c'était pas forcément évident. Et évidemment, Lynn a été une des premières à venir dans cette radio, alors que au départ, les artistes ne venaient pas très facilement. Puis après, ils sont venus. Dalida et plein d'autres, ouais. Sylvie Vartan, les icônes de l'époque ont fini par venir, mais elle était la première à oser venir dans cette radio et à ne pas avoir peur pour son image. Elle est votre amie, votre confidente aussi. Oui. Hein, voilà. Depuis de très nombreuses années, c'est plutôt bien. Alors, on parle d'une convention citoyenne. Hein, oui. qui s'est prononcé à 75 ou 80%, je 75, crois, hein, ouais. 75% pour l'autorisation de l'euthanasie et du suicide assisté. C'est plutôt quand même pas mal, c'est encourageant. Bah oui, là, toutes les planètes sont alignées, puisque, vous savez, là, il ne s'agit pas d'être spécialement pour l'euthanasie, il s'agit simplement d'avoir le choix. D'avoir le choix en fin de vie, dans ce livre, je le démontre, on meurt super mal en France, les moyens ne sont jamais là, alors on met beaucoup d'argent sur le début de la vie, et tant mieux, il faut continuer, puisqu'on a un des pays qui est plutôt bon dans ce domaine. Par contre, sur la fin de la vie, l'argent n'est pas là. Et il suffit de voir les soins palliatifs dans notre pays. Il y a 21 départements en France qui n'en ont pas. Enfin, c'est un vrai scandale. Je ne vais pas parler du scandale de la fin de vie, des EHPAD, etc. Mais c'est tout un continuus qu'il y a aujourd'hui où on ne s'intéresse pas aux personnes qui sont en fin de vie, alors qu'on est des citoyennes et des citoyens jusqu'au bout.
et que bah, mourir comme on le souhaite. En plus, c'est super rassurant, hein, comme on dit, c'est un sujet qui peut paraître extrêmement triste, mais au final, moi qui c'est me bats sur cette question depuis longtemps, en fait, le fait de penser à la mort, bah, c'est le meilleur moyen de bien vivre sa vie, parce qu'il y a plein de gens dans notre pays qui passent leur temps à courir pour avoir plus d'argent, plus de responsabilités, etc. Puis ils en oublient qu'ils vont mourir. Tandis que quand on a cette conscience-là, eh ben on vit mieux, et je pense qu'on aime peut-être mieux les gens. Alors c'est compliqué dans nos sociétés, c'est plus facile par exemple dans des sociétés bouddhistes où le temps présent est vraiment quelque chose qui est important, mais en même temps c'est une vraie réalité. Quand on pense à sa mort, pense qu'on vit peut-être mieux que les autres. Le Dalai Lama, il avait une citation d'ailleurs là-dessus. Approchez-vous bien du micro. Oui, si vous parliez du bouddhisme, il me semble que c'est le Dalai Lama qui disait, en parlant des sociétés occidentales, que parfois on vivait comme si on n'allait jamais mourir et que du coup on mourait comme si on n'avait jamais vécu. Bah, c'est clair, tout à fait. C'est très beau. Voilà. Il a de la culture, ce garçon. Je ne l'ai pas recruté pour rire. Le casting était très sévère. Moi, c'est de qui de Serge Lama. Donc, vous avez cette association. Il y a combien d'adhérents dans cette association aujourd'hui? On a 75 000. Ah oui, quand même. Ouais. On pense bien sûr à Christophe Michel, à Christophe Michel qui était votre mari, voilà, qui était un militant responsable associatif, justement secrétaire général de cette association, qui a donné aussi beaucoup de son temps et de son cœur. Ouais, très engagé sur cette question et sur la question du sida aussi, et qui a beaucoup donné. Il est malheureusement mort, ça fait déjà 5 ans. J'essaye encore de lui rendre hommage dans ce livre et de me rappeler. Je pense qu'il m'a... vous savez, c'est un peu... On parle de la mort qui est un peu triste, mais au final, quand vous avez connu un amour comme celui-là, vous en êtes rempli. Et vous vivez avec cet amour. Donc, je me dis que c'est peut-être pas si mal que ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas connu l'amour dans leur vie. Moi, j'en ai eu 2 grands. Donc, je me dis que c'est... voilà. On pense très très fort à lui. Merci. Voilà, un garçon fort formidable. Ouais. Hein, voilà, et qu'on embrasse, je suis sûr qu'il doit nous entendre. Ben, j'espère. Absolument, c'est certain. Il nous protège. Alors, avant de parler de votre livre, on va être en contact, me semble-t-il, avec Virginie Allard. On va prendre nos petits casques, peut-être que vous allez entendre ou pas. Bonjour Virginie. Bonjour Christian, bonjour Jean-Luc, bonjour à vous tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, très bien, 10 sur 10, alors peut-être Yvette Le Gleyre un petit peu moins, parce que peut-être un peu moins. J'ai une oui-oui fantastique. Bon, très bien. Alors Virginie, vous êtes en contact avec nous au téléphone parce que vous avez travaillé dans des hôpitaux, vous savez de quoi l'on parle évidemment, c'est un sujet grave mais en même temps plein d'espoir. Oui, tout à fait. Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, je travaillais à l'hôpital Necker et je m'occupais des gens qui avaient le sida en phase terminale. Alors, il est vrai qu'à l'époque, je me suis occupée d'un monsieur qui était vraiment dans un état très, 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 on peut dire, proche de la fin de vie, puisque bon, il avait le syndrome de Kaposi, c'était un ancien mannequin de chez Ungaro, il faisait 1m90 et 45 kilos et sa peau n'était qu'une plaie. Alors, effectivement, je suis allée le voir, ça m'aura toujours marqué. J'avais 20 ans et quand je suis allée dans la chambre, parce que j'allais voir comment les malades étaient, entre autres, et c'est vrai qu'il m'a pris la main, il m'a dit « Mademoiselle, est-ce que je vais mourir ?» Et je me suis dit « Mon Dieu, pourvu que j'ai la force de l'aider. » Et je lui ai caressé la main, j'ai dit « Monsieur, écoutez, ne pensez pas à ça, et je suis là pour vous aider, pour vous apaiser, essayer de dormir un petit peu, voilà. » Et en fait, c'est pour ça que moi qui vis en Belgique, ici c'est légalisé. Et voilà. Je dis ça pourquoi ? Parce que c'était un mardi et on m'a dit « Écoute Virginie, quand tu reviendras jeudi ?» Donc c'était en 87 puisque j'avais 20 ans, maintenant j'ai un peu plus d'âge, j'en ai 56. Et en fait, pourquoi je dis ça ? Oh merci Christian, parce qu'en fait ce qui m'a touché beaucoup, c'est qu'il y a eu d'autres formes de... Je me suis occupée aussi d'une dame africaine. Là, il venait de découvrir que le sida pouvait attaquer le cerveau. Elle, c'est en accouchant de son 4e enfant. Et en fait, c'était avec une transfusion. N'oublions pas aussi le scandale du sang contaminé à l'époque. Oui, bien sûr. Comme bien avait sûr. Dit Georgina Dupois, je ne suis ni coupable, pas responsable ou pas coupable, je ne sais plus. Mais en fait, ce qui était de terrible, c'est que en fait, les gens, comment dirais-je... D'abord, ils étaient rejetés parce qu'ils avaient le sida. Moi, je salue aussi Lady Diana, qui était une des premières princesses à aller voir les gens il y a 40 ans, qui avait le sida. Elle était très amie avec Freddie Mercury. Et donc, il y a même une photo d'eux. Et alors, je veux dire, il y a en fait, en France, je pense que comme on dit en belge, on le fait en stoumeling. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole quand même quand on voit que les gens ne s'en sortent plus. Et c'est vrai que dans les maisons de soins palliatifs,
aussi, il y a une ils appellent ça une piqûre, je sais plus le nom exact. Justement, il faut voir ça dans le reportage de Marina Carrère dans Scos, fin de vie, pour que tu aies le choix. Alors, c'est un reportage qui est très bien. Elle est allée en Belgique. Elle est allée donc à Bruxelles, à Liège, en Hollande aussi, où c'est légalisé. Ensuite, C'est vrai, Jean-Luc, excusez-moi Virginie, que, je vous en prie, mon cher ami. Que l'euthanasie, le suicide assisté, n'est pas pratiqué partout. Au jour d'aujourd'hui, certainement pas en France, ça c'est certain. Enfin si, en France illégalement, enfin, je le dis oui, dans le livre, puisqu'il y a des chiffres très officiels qui montrent qu'elles sont faites dans la clandestinité. Ben, ce qui est pire, parce que parfois par des médecins qui ne demandent pas l'avis de la personne, donc pour moi ça me paraît quand même assez grave. Et oui. Mais on est quand même entouré maintenant de pays, enfin on évoquait là la Belgique, mais qui ont légalisé, parce que quand vous regardez autour Suisse, de nous, la Suisse, le Luxembourg, en Italie, on peut bénéficier d'un suicide assisté à cause d'une jurisprudence, l'Espagne, le Portugal. L'Espagne, ouais. Donc vous voyez quand même, la France des droits de l'homme, elle est quand même un peu en retard sur cette question-là. Ça, c'est moins que vous avez raison, Jean-Luc et Christian, et puis vous tous, l'équipe hein, d'aujourd'hui, c'est génial de pouvoir vous parler, parce que moi, j'ai deux amis qui se sont fait euthanasier, Chantal et Michel, pour les citer. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un protocole. Ici, en Belgique, c'est avec une injection, mais il y a tout un suivi. Et en Suisse, par contre, on fait boire un gobelet à quelqu'un, mais c'est la personne elle-même qui doit boire le gobelet. En Hollande, ils sont encore plus, on va dire, souples, parce qu'il n'y a vraiment, finalement, pas d'âge. Mais là, il y a une jeune fille qui vient de faire, enfin, jeune femme hein, de 25 ans qui s'est faite euthanasier, qui avait, en Belgique, qui avait été en dépression totale depuis les attentats qu'il y a eu ici. Donc, ils sont en train aussi de revoir l'âge. Et de toute façon, ça passe par un protocole, il y a un suivi, et on ne se fait pas euthanasier comme ça. Mais justement, Jean-Luc, quelles sont les conditions, justement, pour parler d'euthanasie, en fait? Non, mais comme elle le dit, c'est pas... Vous savez, il y avait une époque, je la cite dans mon livre, une ministre qui s'appelait Agnès Buzyn, qui oui. avait fait une interview et avait dit en Belgique, il suffit d'y aller trois fois et de dire qu'on est fatigué de la vie, on vous aide. C'est quand même du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Évidemment, il faut avoir des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Et évidemment, il y a plusieurs médecins qui doivent vérifier d'abord votre volonté, parce que la première des choses, c'est de voir si c'est bien vous qui le souhaitez. Parce que ça peut être dangereux, sinon. Et puis après, de vérifier si vous êtes dans les conditions de la loi. Enfin, c'est extrêmement sérieux. Quoi. C'est ça qui est terrible. C'est que, évidemment, qu'on n'aide pas un gamin qui a juste son premier chagrin d'amour et qui dit je veux mourir, non. Et on n'aide pas des gens qui sont simplement en dépression. On essaie de leur dire, on va essayer de vous aider, de faire que vous ayez plus de dépression, et puis chagrin d'amour, t'en auras d'autres, mais t'auras aussi plein de belles histoires d'amour. Donc c'est pas la peine de te suicider. Mais c'est ça qui est un peu terrible, c'est que dans notre pays, on pousse des gens qui, eux, ont des maladies graves, ou des personnes très très âgées, à se suicider souvent prématurément, parce qu'ils le font tant qu'ils peuvent, et puis violemment. Au lieu de simplement pouvoir les entendre, parce qu'une loi, ça aide les gens, ça les rassure. Vous savez qu'il y a même plein de gens, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, par exemple en Oregon, ou dans d'autres États qui ont légalisé le suicide assisté. Il y a des gens, ils sont entrés dans un processus, puis au final, ils vont pas jusqu'au bout parce qu'ils sont rassurés. Mais ça les rassure, voilà. Et puis que souvent, la mort n'est pas toujours aussi violente qu'on le croit. Elle peut être beaucoup plus paisible. C'est drôle parce que je suis allée 6 fois en Oregon un mois. C'est drôle de penser à l'Oregon. Et en fait, au Canada, c'est légalisé. Et il y a même une entreprise de pompes funèbres qui a une salle de ça. Repos. J'ai vu ça dans le film de Marina. Virginie, c'est un lieu un peu spécial quand même. On se retrouve déjà dans un endroit lugubre, quoi, un peu, non ? C'est pas lugubre, mais... Peut-être que, en fait, j'ai l'impression que mes deux amis qui se sont fait euthanasier, j'ai Chantal et Michel, j'ai beaucoup discuté avec eux, c'était il y a quelques années. Bon, ça doit être un mal incurable. Chantal m'a dit ça pendant un dîner. Je lui ai dit, écoute, t'es sûre, on a une dernière photo toutes les deux. On boit un bon verre de vin ensemble. Et c'est vrai que c'est un cheminement, il y a un accompagnement psychologique. C'est dur aussi pour ceux qui restent, parce qu'il faut accepter la décision de la personne qui veut partir. Oui. Ça aussi, c'est un travail de deuil, même si c'est une mort qui a un décès qui est rapide. Mais je pense que c'est important pour les gens qui souffrent et qui... On sait que c'est incurable, alors pourquoi faire de l'acharnement thérapeutique? Tous les deux avaient un cancer. Chantal n'avait jamais fumé, elle avait un cancer des poumons très avancé. Et Michel, un cancer du pancréas qui était incurable. Alors pourquoi, je veux dire...
essayer de s'acharner. Et que les parce gens que il est vrai, Virginie, que ceux qui sont qui vont mais pratiquer ça. Donc l'euthanasie, le suicide assisté, il y a tout un protocole, c'est vrai, mais il y a aussi une certaine mise en scène et quelquefois le bonheur de partir, de se retrouver. Moi, le début de mon livre, parce que bon, ça s'appelle Le Serment de Veine, c'est un serment que j'ai fait à Alain Coq, qui était un. On va en parler tout à l'heure justement. Mais il y a vraiment une presque une joie de partir. Ben quand ils partent, enfin moi, toutes les personnes que j'ai vues partir et d'abord remercier leurs médecins et puis sont avec leurs proches. Vous savez qu'en France, quasiment plus de 70% des gens meurent à l'hôpital et seuls, sans leurs proches et sans les médecins. Et donc c'est terrible. Si vous arrivez, la personne est morte, tandis que là, vous avez le temps de tout vous dire puisque c'est préparé. Et c'est des morts plus sûres. Jamais on se réjouit de la mort de quelqu'un qu'on aime, mais la vie va se terminer quand même. Il faut aussi savoir que 100% d'entre nous allons mourir. J'espère pas annoncer de mauvaises nouvelles ce soir, mais c'est quand même la réalité. Sauf Yvette. Yvette est éternelle, mais. Je n'ai plus d'âge. Enfin, à part Yvette Le Guer, je suis tout ce que tu veux pour toi. Trans machin. Trans ce que tu veux. On reste sur les thématiques des résistances. D'accord. On va tous partir. Hein. Oui, donc les To Be Free l'ont chanté. Et on va tout laisser. Un jour, sans retour. On va tout laisser. Non, non. Hein. On va pas apporter, je sais pas, notre fortune ou je sais pas. Bah, on en a pas, donc. Bah, on s'en va. De toute façon, on en a pas. Il n'y a pas de fortune. Fortune ou sans fortune. C'est vrai qu'il y a ce protocole, cette envie de partir, de retrouver les siens, de parler une dernière fois, de remettre quelques fois les pendules à l'heure avec champagne. Et puis après, c'est le moment. Ouais. Mais c'est un suicide assisté. Expliquez-nous, justement. Suicide assisté. Alors, en Suisse, il n'y a que le suicide assisté qui est mieux que rien, mais qui, malheureusement, fait que pour des personnes qui sont incapables de faire le geste, c'est compliqué parce que vous avez deux possibilités. Soit vous avalez un produit, c'est pas très agréable à avaler. Mais faut-il encore pouvoir Certaines personnes, à cause de certains cancers, ne peuvent pas. Mais sinon, vous pouvez tourner le bouton de la perfusion, enfin le robinet. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Par exemple, je raconte celui qui a un peu lancé le débat dans notre pays, qui était Vincent Imbert et sa maman Marie, qui, lui, a été capable de communiquer avec son doigt, mais n'aurait pas été capable de pouvoir tourner un robinet. C'est ça. C'est ça. C'est vrai aussi que... En fait, en Belgique, donc il y a tout ce protocole. Hein, c'est pas en une fois. Je veux dire, on voit plusieurs fois le médecin. Il y a un accompagnement. Et avant de faire l'injection, là en Belgique, c'est par injection. Le médecin demande s'il peut le faire, s'il peut la faire. Donc il y a aussi, c'est encore quand même la personne qui prend la décision. Heureusement, c'est encore bien. Là, ça sera un peu gênant quand même. Non, mais je veux dire parce que quand je dis prendre la décision, c'est-à-dire que juste avant, on lui redemande une dernière fois. Jusqu'au bout, voilà, c'est normal. Évidemment, c'est la personne qui prend la décision, mais c'est vraiment jusqu'au bout, du bout. Voilà, c'est pas même s'il y a eu un accompagnement, il y a parfois des personnes après qui ne veulent plus, qui font chemin inverse. Ça arrive aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important, en tout cas, de le souligner. C'est que c'est vraiment le choix de ne plus souffrir et puis d'être à l'écoute des personnes. Mais en Hollande, effectivement, il n'y a pas les limites d'âge qu'il y a en Belgique. Et parfois, il y a des Belges qui vont aussi en Hollande pour se faire euthanasier. Donc, c'est... Voilà. Mais j'aimerais bien qu'en France, ce soit possible, Franchement, que ce soit légalisé. Mais justement, Jean-Luc, ceux qui veulent arriver, justement, ce suicide assisté, avec votre association, vous prenez tout en charge, en fait, le transport. C'est illégal, alors dites pas ça, parce que je vais me retrouver en prison demain. Disons que c'est une belle agence de voyage. C'est une belle agence de voyage. Je crois que je vais rentrer parce que sinon. On n'a pas l'adresse du studio, la police va pas arriver. On recommence. Comme on peut aller à l'étranger, c'est quand même ça le grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être aidé en France. En France, c'est interdit. Mais vous pouvez aller à l'étranger, vous pouvez aller en Belgique, il faut être suivi par un médecin, etc. Et vous pouvez aller en Suisse. Et là, il faut payer. Hein. En Suisse, c'est entre 10 000 et 15 000 euros. Et nous, évidemment, on essaye d'organiser une solidarité pour aider. Alain Coq, qui est celui qui lance ce livre quelque part, il n'avait pas d'argent du tout. Je parle d'un jeune de 30 ans, atteint du sida, qu'on a accompagné. Il n'avait pas d'argent. Et donc, on a fait une solidarité. On a demandé aux gens, parce qu'on pouvait même, si l'association ne pouvait même pas elle-même
même payer parce qu'elle entrait dans l'illégalité. Mais évidemment qu'il faut aider des gens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. C'est comme à l'époque de l'avortement, quoi. Les femmes qui avaient les moyens, elles allaient à l'étranger. Et puis les autres, elles voyaient les faiseuses anges, certaines en mouraient ou avaient des séquelles toute leur vie. Bah, on est dans la même situation. C'est ça quand même l'aberration de ce truc, quoi. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, des relations, eh ben, vous mourrez comme vous voulez. Personne ne viendra vous poursuivre. Par contre, bah, les autres, ils n'ont plus qu'à se suicider, à se jeter d'un pont, à souffrir, surtout. Lorsque l'on pense que le début des soins palliatifs en France était, je crois, en 1987. Donc, c'est assez récent, quand même. Bah oui, c'est pour ça qu'on est si en retard. D'ailleurs, on voit même des pays dont personne n'a envie de copier le système de santé. Enfin, je parle, je sais qu'il y a un spécialiste de la santé qui est ici, mais la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, personne n'a envie son système de santé, sauf que pour les soins ultimes, sauf que pour la fin de vie, c'est des moyens bien plus considérables qu'en France. Donc on voit la façon d'ailleurs qui est terrible de considérer les mourants, les aînés, etc., qui est quand même assez curieuse dans notre pays, parce qu'au final, quand on regarde autour de nous, on est un des pays où l'accès aux soins palliatifs est un des plus bas. Et on en parle depuis 20 ans, on a eu 3 lois avec des gens qui au contraire ne défendaient que ça, et puis on leur dit mais qu'est-ce qu'ils font, quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que quand on fait le bilan aujourd'hui, on se rend compte que seulement à peine 20% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs, qu'il en manque dans 21 départements, et puis que dans plein de départements, il y a juste une unité avec une dizaine de lits. Voilà, c'est quand même scandaleux, quoi, parce que voilà, on mérite d'être des citoyennes jusqu'au bout, et on sait que la plupart d'entre nous, si on a une grave maladie, d'autres on meurt d'un accident, etc., mais ceux qui ont des graves maladies ont besoin d'être accompagnés à ce moment-là, et donc les soins palliatifs sont importants, parce que moi je me bats pour ça, je suis pas un militant de l'euthanasie en fait, je suis un militant du choix, mais je dis que il y a des cas où les soins palliatifs ne suffisent pas, où des gens veulent pas y aller aussi, c'est aussi leur droit quand même, on va pas passer de l'acharnement thérapeutique à l'acharnement palliatif, il faut laisser le choix aux gens. Qu'en pense le docteur Carrière justement? Ben, voilà une vaste question, il a tout résumé en fait, mais moi je vois tous les gens la mort tous les jours, donc effectivement ben, les gens ont peur, il faut les rassurer, les mettre en sécurité, les accompagner vers la lumière, et on peut pas se substituer au divin, c'est ce que je dis aussi, donc les gens doivent mourir, mais qu'est-ce qui nous, en France, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va faire notre vie? La plupart des gens c'est en EHPAD. Donc il faut préparer aussi son départ ou sa retraite et son départ. C'est un autre sujet, mais on peut continuer parce que malheureusement, je reviens sur le choix qui est sorti. C'est très important d'avoir le choix. Malheureusement, pas changé beaucoup dans la réalité du quotidien des personnes qui vivent dans les EHPAD. Il faut avoir le choix, ça c'est très très bien de l'avoir souligné, et le choix thérapeutique, le choix de fin de vie. Et ça rassure surtout. C'est la sécurité, la sécurité. Les gens sont rassurés. Il y a une possibilité au cas où, au pire du pire, il y a cette possibilité. On s'en rassure. Ça rassure. En Belgique, dont on parlait, c'est seulement 2,7% des morts. Aux Pays-Bas, c'est 4,5%, donc c'est le pays où il y en a le plus. Mais en même temps, c'est quand même pas rien, parce que si vous mettez 4,5% des morts en France, il y a à peu près 800 000 morts par an. Bah vous imaginez, c'est quand même des dizaines de milliers de personnes qui sont quand même concernées, qui sont. Parce qu'il y a des douleurs. Alain Coq, je reviens sur lui, parce que son histoire est quand même assez incroyable. Ce type qui a été une personne en situation de handicap, qui est en fauteuil roulant, qui a fait des tours d'Europe, des tours de France pour sensibiliser sur la dignité des personnes en situation de handicap. Il a une maladie orpheline qui fait qu'il est là complètement. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus faire aucun geste de la vie courante. Et puis surtout, il a des douleurs physiques que rien ne peut soulager. La morphine, tout ça ne servait à rien. Ouais. Eh bien, on l'a laissé dans notre pays. Il faut savoir que les soins palliatifs sont venus, mais ils ne pouvaient rien faire pour lui. Ils ne pouvaient même pas lui donner une sédation profonde et continue qui est prévue dans la loi, parce qu'elle est prévue jusqu'à quand on est dans l'agonie. Et donc, ce type n'a eu que, comme d'autres choix, que d'aller en Suisse. Et c'est quand même assez incroyable de laisser aux gens que ce choix-là, parce qu'il y a des douleurs que... Donc, globalement, et je parle vraiment sous votre contrôle, moi je ne suis pas médecin, mais il y a des douleurs physiques, on en soulage la grande majorité, mais il y a des douleurs qu'on ne peut pas soulager. Et puis il y a des souffrances psychiques aussi qui peuvent être violentes. Elles peuvent être violentes de vivre des jours qu'on ne veut plus vivre, alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'espoir, on a fini notre vie, on a dit au revoir à tous les gens qu'on aimait. Pourquoi on vous oblige à vivre ces jours, ces semaines inutiles? Alors justement, depuis tout à l'heure, vous parlez de l'argument financier qui a l'air d'être un gros frein. Est-ce que vous en identifiez d'autres, peut-être culturels, morales, enfin qui font que ça bloque? Dans notre pays? Oui. Ah bah, dans notre pays, on a deux lobbies qui ont été les mêmes, qui sont opposés à l'avortement. C'est évidemment le lobby religieux, avec une église catholique qui est hystérique sur la question, parce que
qui est en plus un total paradoxe, parce que quand vous faites des sondages, je donne dans mon livre, d'ailleurs c'est même Lacroix qui a fait le premier sondage, je trouve que c'est très bien, parce que je ne pense pas que le Figaro l'aurait fait, mais Lacroix a eu cette honnêteté de faire un sondage sur toutes les questions de société, même sur le mariage pour tous, etc. Et puis, on se rend compte que dans ce sondage, 72% des catholiques pratiquants, c'est-à-dire qu'ils vont au moins une fois par semaine à la messe, il n'y en a plus tant que ça non plus, ils se sont favorables. Et 90% des catholiques non pratiquants, puis depuis, il y a eu plein de sondages qui ont été faits sur toutes les religions, et on voit que toutes les religions, enfin tous les croyants, quel que soit, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient catholiques, protestants, ils sont favorables. Non, mais ils sont favorables. Et c'est les hiérarchies, c'est les responsables, comme en France. Et puis le deuxième, c'est les responsables médicaux, enfin les grandes institutions. Même s'ils sont en train d'évoluer, on voit même l'Académie de médecine, parce que comme ils se rendent compte quand même qu'il faut faire quelque chose, maintenant ils sont tous pour le suicide assisté. C'est normal, le médecin n'y participe pas, donc et ils s'y mettent tous, donc ils n'accompagnent pas. Ils ont toujours pas compris que c'était un soin aussi. Et qu'en plus, c'est ça qui est un peu terrible, parce qu'ils s'y opposent d'une manière violente, alors qu'il y a plein de médecins qui sont prêts à le faire, et que jamais un médecin sera obligé à faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a une clause de conscience. Oui, déjà, oui. Un médecin, si vous ne voulez pas faire un geste qui est contraire à votre éthique, vous ne le faites pas. Exact. Et personne ne peut vous poursuivre pour ça. Eh bien, en plus, dans ces lois, c'est comme pour l'avortement. Il y a une clause de conscience supplémentaire qui fait que jamais un médecin ne pourra être poursuivi, ne pourra être mis en cause s'il ne veut pas accompagner une personne qui veut ce soin ultime. Donc, pourquoi aujourd'hui ces médecins s'y opposent pour eux-mêmes, qui ne veulent pas pratiquer, c'est un bien. C'est comme, si les évêques, qui sont quand même beaucoup moins regardants quand on parle de pédocriminalité quand même dans l'Église. Ça, c'est clair. S'ils sont contre pour eux, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et au contraire, moi, je suis pour qu'on les respecte. Parce que moi-même, je suis dans le doute. Vous voyez, ce que je ne supporte pas, c'est ces gens qui ont plein de certitudes. Qui n'ont pas de... Voilà. Parce que moi, je ne sais pas ce que je voudrais à la fin. Ouais, peut-être que je voudrais vivre le plus longtemps possible, même dans la souffrance, que j'aurais une belle histoire d'amour à ce moment-là. Ou peut-être que... Parce que j'aurais eu, je n'aurais pas envie de ces derniers moments, parce que j'aurais estimé que ma vie était terminée, que je n'avais pas besoin d'avoir des souffrances. À une époque, on a couché dans la douleur, est-ce qu'on est obligé de mourir dans la souffrance ? Oui, absolument. Lorsque j'ai lu qu'Alain Coq, justement, lorsqu'il est parti, ce mardi 15 juin 2021, en Suisse, évidemment, et il a retrouvé, comme vous dites, la liberté, la sérénité, la dignité, la joie. Mais quelque chose d'incroyable à 11h15, en fait. Hein. Incroyable, parce que l'archevêque de Dijon... Ouais, c'était horrible, ça. Hein, à cause de lui, il n'y a pas eu, en fait... d'enterrement religieux. Si, il a eu un enterrement religieux. Mais le cercueil est resté. C'était sordide. C'est-à-dire qu'en fait, il était très croyant. Et il voulait, il a droit de l'être, il voulait une messe. Et puis, l'évêque, dans un premier temps, a dit « c'est hors de question ». Et puis ça a fait quand même tellement, comme il avait été assez médiatisé, ça a fait quand même tellement de bordel que c'était quand même compliqué de refuser à quelqu'un. Mais alors, il a quand même poussé le sordide à exiger que le curé ne refuse que le cercueil entre dans l'église. Et donc, ils ont fait une messe avec un cercueil à l'extérieur. Et je trouve que c'est quand même... C'est vraiment incroyable. C'est sordide, quoi. C'est sordide. C'est honteux, tout simplement, parce que c'est vrai que je me demande si, pardon, d'intervenir, mais si dans la religion, finalement, c'est toujours le péché de chair, la contrition, la culpabilité. Donc, c'est vrai que le suicide... moi, j'ai mon amie Chantal qui s'est fait euthanasier, elle a quand même eu sa messe ici. Bon, Michel, lui, ne voulait pas de messe. C'était son choix. Mais c'est vrai que c'est très archaïque quand vous évoquez l'avortement aussi... C'est important, je veux dire, merci Simone Veil, que les femmes aient le choix. Il y a un très beau film qui s'appelle Une affaire de femme avec Isabelle Huppert. Et finalement, je crois que c'est ce film, elle joue la dernière faiseuse d'ange qui a été guillotinée juste après-guerre. Donc, et qui a avorté les femmes. Mais, oui, dites-moi, Christian. Non, je reviens à Jean-Luc, parce que dans votre livre, justement, vous parlez de différentes histoires. Hein, une notamment de Jonathan. Atteint du sida, qui se défenestre, tout simplement, devient tétraplégique. Et il donne fin à sa vie. Lui, c'est une histoire un peu tragique, parce que moi, qui m'a renvoyé à ma propre histoire, parce qu'il apprend qu'il est séropositif à un moment où on peut vivre avec. Sauf qu'il a un médecin qui ne lui dit pas les choses qu'il faut lui dire. Qu'il faut lui dire. Et ce qui est terrible. Et il se jette par la fenêtre.
Et voilà. Et après, c'est une descente aux enfers terrible. Et donc, plus il est comme un incoque, plus aucun geste de la vie quotidienne, il peut les faire seul. Il a un petit copain, mais il supporte plus que son petit copain doit tout faire. Enfin, le laver, et c'est plus de vie sexuelle. Et donc c'est quand même terrible parce qu'il a 30 ans. En plus, il était magnifique. C'était vraiment un très beau garçon. Et ce garçon, il souffrait tellement qu'il a fallu l'accompagner en Suisse. Et je trouve ça terrible parce que il n'a pas eu les mots qu'il fallait à un moment. Jamais il aurait dû se jeter par la fenêtre. Regardez, moi, je vis depuis 35 ans avec le VIH. Bien sûr. Voilà, j'ai eu. C'est pas simple, mais quand même, j'ai eu une belle vie. Et ce garçon aurait pu avoir une vie incroyable, mais malheureusement il n'a pas eu les paroles qu'il fallait, et puis après dans la situation où il était, je comprenais que il avait plus envie de vivre. Beaucoup se sont suicidés. Quel gâchis. Beaucoup de garçons se sont suicidés à l'époque du sida. Ouais. À l'époque où on mourait dans des conditions atroces. Tandis qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est vraiment mal informé les personnes, parce que d'abord, l'espérance de vie d'une personne séropositive, c'est la même qu'une autre. Il y a des traitements, il faut le dire. Il faut analyser, parce que la vie n'est pas la même. Mais quand même, on peut aimer, on peut faire des enfants. On peut faire de l'amour. Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, une personne séropositive sans charge virale ne peut plus infecter. Donc il y a des progrès extraordinaires. Voilà. Et là, il tombe sur un médecin qui ne lui donne pas l'information et qui le laisse dans un désespoir. Et moi, je me souviens que j'ai eu plusieurs conversations avec lui qui étaient extrêmement touchantes, et notamment la veille de son départ en Suisse. Et je me disais, mais quel gâchis, quoi. Je l'avais en face et je me disais, mais comment on n'a pas su trouver les mots et pas dire à la personne que sa vie n'était pas finie, qu'il pourrait faire plein de choses, et même il voulait avoir des enfants, il aurait pu avoir des enfants. C'était en quelle année cette... C'était il y a quelques années. Mais c'est pour ça que lui, c'est un échec total. Ce garçon n'aurait jamais dû aller en Suisse. Il aurait dû vivre. Si on lui avait expliqué, bien expliqué. Il est tombé. Voilà, docteur. Pas faire une conférence, c'est un manque d'informations. C'est tout ce qu'il y a à dire. Puis un médecin qui lui a fait des leçons de morale. Un médecin qui lui apprend sa séropositivité et qui lui dit « Mais comment t'as fait ?» etc. Qui lui dit des choses atroces. Terrible. Et évidemment, comment s'imaginer que le mec, après, il croit que sa vie est finie. Et puis en plus, après avoir une leçon de morale, je pense que c'est pas le rôle. Vous êtes médecin, c'est pas l'environnement a vraiment une importance considérable. L'entourage, l'environnement et tout ce qui va autour. En priorité. D'un ami proche. Et en fait, je vous explique, j'ai un ami très proche, son frère a 80 ans, il est séropositif. Et quand le médecin est venu il y a quelques années, il a dit à sa propre mère, qui est maintenant décédée, de toute façon, votre fils n'en a que pour même pas un an à vivre. Alors la sœur l'a mis dehors, le médecin, et finalement, ça fait des années, il a 80 ans, et évidemment qu'il a des traitements, mais en tout cas, il marche. Donc, c'est vraiment les médecins qui sont parfois des incompétents ou des criminels en puissance. Voilà. Mmh. En tout cas, merci de m'avoir appelé pour que je puisse témoigner de ce sujet. Voilà, c'est gentil. Je reçois des cas, moi, comme ça, pour des cancers. Alors, on m'a donné 4 mois à vivre. Je regarde les gens, je leur dis... Vous pouvez me donner le nom du berceau qui me tire les cartes, s'il vous plaît. Alors ça fait rien. Parce que la médecine, c'est pas une science exacte. On pense également. Puisqu'on est dans le vivant, c'est exact. On n'est pas tous égaux. Et voilà, donc il y a toujours de l'espoir. Voilà, il faut toujours tout tester et fouiller. Et se renseigner grâce à vous et aux associations. Voilà, ça c'est important. Bravo. Merci Christian de véhiculer ça. Vous parlez, Jean-Luc, également de Chantal. Encore un cas extraordinaire. Chantal Sébir. Oui, 52 ans. Et il y a Christine Boutin qui est ministre du Logement. Alors, il faut savoir, peut-être tout le monde ne sait pas qui était Christine Sébir. C'est une femme qui était atteinte d'un cancer qui lui déformait en plus le visage. Je pense que vous l'avez tous vu à la télévision, parce qu'elle avait voulu montrer son visage pour qu'on... Et au-delà du fait que son visage était déformé, elle avait surtout des souffrances atroces et elle allait mourir, quoi. Ouais. Et Chantal... Et la ministre du Logement dit,
En fait, elle est scandalisée que l'on puisse donner la mort à une femme parce qu'elle souffre. Parce qu'elle est laide. Parce qu'elle est laide. Son visage est déformé. C'est ça. Et puis parce qu'elle souffre aussi. Et elle dit que non, mais elle dit surtout le mot laide, quoi. Ouais. Et c'était atroce parce qu'au final, derrière, évidemment que son visage était déformé, mais elle avait une espèce de beauté que sa fin de vie donnait parce qu'elle avait une façon de parler qui était absolument incroyable. Faut dire que c'était quand même une mère de famille qui avait encore une fille mineure, donc c'était quelque chose de difficile. Et d'entendre une ministre qui dit vous voulez mourir parce que vous êtes laide, c'était horrible, mais c'était abominable. C'est Christine Boutin aussi. Ouais, ouais, mais enfin quand même. Après, on nous parle de charité chrétienne, quoi. Elle est chrétienne, c'est ça. Bah là, franchement. Et Fillon, qui a pas été mieux à ce moment-là, puisque je raconte aussi sur Fillon. Ils ont tous ces gens qui se disent très chrétiens, très croyants. Au contraire, là, pour moi, c'est la charité chrétienne, c'est aimer l'autre, et c'est pas l'enfoncer comme on le fait. En plus, à une femme qui est quand même pleine de souffrance. Et qui doit faire un choix qui est un choix extrêmement difficile, c'est-à-dire de laisser sa famille, de laisser, notamment elle avait 3 enfants, de laisser une fille mineure, de vouloir mourir. Et on vous lui dit, elle veut mourir parce qu'elle est laide. Enfin, c'est quand même hallucinant quand même. Est-ce que vous avez encore besoin de moi ou pas ? Non, vous pouvez aller prendre votre thé, ma chère Virginie. Ah bah avec vous, monsieur Christian, et plein de chocolat, et plein de bisous à toute l'équipe, vraiment. Merci Virginie, merci beaucoup. Mais je veux dire, au revoir. À bientôt. Hein. Je voulais juste citer le cas d'une dame que j'ai rencontrée, qui a été vitriolée par son compagnon. Elle a eu 114 opérations. Et c'est une femme qui a toujours la pêche. Alors quand j'entends qu'une femme ministre se permet de juger de la laideur et elle a 3 enfants, cette femme, bon, le monsieur est en prison à perpétuité, mais je veux dire, c'est un ami qui l'a défendu, cette dame, mais je veux dire, voilà, sur quels critères on peut se baser pour juger la beauté ? Voilà, on est dans l'humain, on est dans l'être, on est dans l'amour, la bienveillance. C'est peut-être pas le monde des bisounours, mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Voilà, sans jugement. Voilà. Merci, monsieur. Merci. On vous embrasse tous. Hein. Merci. On va parler de ce projet de loi, justement. Au revoir, bisous. Au revoir. Hein, Jean-Luc, on va parler de ce projet de loi. Alors, que va-t-il se passer en décembre ? Parce que voilà. Je n'ai pas non plus de boule de cristal, mais bon, la ministre est d'ailleurs dans un débat dans lequel j'étais cette semaine, a fait des annonces, et des annonces qui sont avec l'accord du président de la République. Donc, a priori, il va y avoir un texte qui va être déposé au mois de décembre en Conseil des ministres et qui serait discuté au Parlement en début d'année. Sauf que, bon, on a beaucoup d'inquiétudes sur le texte, parce qu'en fait, il a un peu le contraire du mode de solidarité français, puisqu'en gros, ce serait le suicide à mode Oregon, avec peut-être des exceptions d'euthanasie. Alors, suicide à l'Oregon, c'est-à-dire qu'un médecin estime que vous avez 6 mois à vivre, donc je ne sais pas déjà comment on fait pour estimer que vous avez 6 mois à vivre, et si c'est ça, on vous donne le produit et vous repartez avec. Alors, c'est bien parce que ça rassure quand même les gens, sauf qu'il y a, donc il y a à peu près, je crois que ça doit être 65% des gens qui l'utilisent. Donc les autres sont rassurés, sauf que personne ne sait ce que deviennent les produits qui sont donnés. Donc il y a quand même une petite inquiétude là-dessus. Ça, c'est embêtant. Donc qui pose quand même un problème. Et puis la personne, elle est seule. La personne, elle est seule face à elle-même. Et moi, je souhaite que, évidemment, que avoir au moins le suicide assisté, c'est bien, mais il faut qu'il y ait au moins des associations qui peuvent accompagner. Qu'il y ait des choses comme en Suisse, parce que vous laissez seul avec votre produit, plus le danger de ne pas savoir ce qui va devenir non plus. Je trouve que voilà, c'est le contraire du système français de santé, qui est un système de solidarité. Alors, ils voudraient y mettre peut-être à côté une exception d'euthanasie pour des gens qui ne peuvent pas faire le geste aussi, parce que ce serait avaler du pinto barbital, si vous ne pouvez pas le faire. Donc, mais ce serait un collège de médecins qui réfléchirait à tout ça. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on imagine ce genre de choses, on l'a d'ailleurs imaginé pour l'avortement, le temps qu'ils réfléchissent, la personne elle a le temps de mourir dans la souffrance. Voilà, c'est pas un système qui est quand même le mieux qui soit, mais c'est vrai, en France, il faut toujours qu'on complique tout, c'est-à-dire qu'on peut pas copier, parce que le président a dit on va faire un exemple, enfin ça va être l'exemple français, le modèle français. Bon, bah, je sais pas, on peut bien copier les Belges, hein, ils font des choses bien, les Belges, on peut copier les Hollandais, les Luxembourgeois, les Espagnols, etc. Il y a des lois dans plein de pays du monde, il n'y a pas de honte de copier les autres quand ils ont fait quelque chose de bien, plutôt que de faire un exemple. Et puis alors sur les soins palliatifs, alors là on est dans le flou, parce qu'à un moment il nous a dit on mettra au moins une unité de soins palliatifs sur 10 ans dans tous les départements.
Bon, s'il faut qu'on attende encore 10 ans pour que rien qu'il y ait qu'une unité de soins palliatifs, alors depuis, si on commence à dire non, ce ne sera pas ça, on ira plus vite, etc. Mais on est quand même un peu dans le flou. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont quand même comprendre que cette question, elle est suffisamment importante pour qu'on y mette d'abord les moyens. Il faut y mettre les moyens pour les soins palliatifs, ça c'est une évidence. Il faut l'accès universel aux soins palliatifs. Moi, c'est cette loi que je veux. Et je veux, à côté, évidemment, qu'on ait cette possibilité quand on a des souffrances insupportables et que voilà, on est dans les conditions de la loi, on doit avoir le droit d'éteindre la lumière, comme le disait si bien Juliette, de choisir le moment et la manière de mourir. On ne choisit pas comment on est, pour au moins choisir les conditions de la mort, et qu'on arrête de nous l'empêcher, soit pour des raisons morales, religieuses, etc., soit parce que certains médecins seraient contre, ils ont le droit d'être contre, mais ils ne peuvent pas empêcher les gens d'en bénéficier. Et puis je trouve que dans une société comme la nôtre, donner ce droit ultime, ce soin ultime, c'est une façon aussi d'élever la société, clairement. C'est du bon sens. Une loi, en fait, qui permet de mourir le plus tard possible, oui. C'est ce que l'on peut dire, hein, d'abréger les souffrances inutiles, c'est ça, en fait. Hein. Oui. Voilà. Parce qu'ici, on a l'impression qu'il n'y a quand même pas un principe supérieur dans une république laïque qui nous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance. Je pense qu'à un moment, on peut donner ce choix aux hommes, sachant que ce sera une minorité si les gens sont bien accompagnés, si on donne l'argent, si on paye un peu mieux aussi les gens qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent dans les soins palliatifs, parce que là, il y a quand même un vrai problème, et on ne va pas développer là-dessus, on le développe sur les EHPAD et tout. Il y a quand même aussi là une façon de considérer aussi les personnes qui travaillent dans ces services, parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile d'accompagner des gens, même si c'est des beaux moments. Hein. Je pense que quand on a accompagné des gens dans la mort, c'est quelque chose qui vous enrichit aussi. Mais voilà, quoi, c'est pas simple tous les jours d'être dans une unité et de voir tous les jours une personne mourir dans un service. Sauf qu'on ne leur donne pas les moyens non plus. Et donc je pense que là, il faut qu'il y ait quand même cette conscience et qu'on arrête, on est un pays riche. Et pourquoi les pays qui sont autour de nous, ils arrivent à donner, à permettre presque l'accès universel aux soins palliatifs et nous, on n'y arrive pas? On est moins riche que la Belgique, on est moins riche que les Pays-Bas, on est moins riche que l'Autriche. Enfin, c'est quand même fou. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que lorsque vous avez un animal, un petit chat, un petit chien, alors on va chez le vétérinaire. Il s'ouvre, bon, on voilà. Non, pardon. voilà, oui, n'est-ce pas ? Et c'est terminé. Vous faites quoi. Ça. Oui, d'accord. Notre ami adore les animaux, vous l'avez compris. Oui. Voilà, c'est radical. Non, mais on peut le faire pour les animaux. Ouais. Pas pour les hommes. Ouais, mais on peut avoir de la compassion pour nos animaux, parce qu'on ne va pas de gaieté de cœur. Hein, quand on. Ceux qui ont eu des. Moi, j'ai eu un petit chat que j'adorais. Il avait un cancer, il souffrait. Il y a un moment, on se dit, on fait quoi? On le laisse comme ça? Non. Alors lui, il ne peut pas décider. C'est un peu c'est la seule différence. Il n'a pas le choix. Nous, dans notre truc, on peut décider. C'est ça qui est important. Parce qu'on l'oublie. La plupart des gens, vous savez, par exemple, qui ne sont pas accompagnés en Suisse, sont conscients jusqu'au bout. Parce qu'en fait, on peut aussi, sur la base de directives anticipées, mais c'est très peu de gens, en fait. Ça, c'est 2-3% en fait, des morts. Et donc, je trouve que c'est quand même bien de pouvoir entendre les gens et puis de leur permettre de partir, accompagner des leurs, de se dire au revoir, de se dire tous les mots d'amour qu'on a envie de se dire. Je trouve que c'est même très beau. Et c'est dans le film où on voit Lynn Renault cette semaine. Merveilleux film. Voilà, ces gens d'être laissés seuls face à leur mort. Mais je trouve ça terrible qu'on accompagne les gens. Je pense que c'est satisfaisant pour tout le monde. Et d'ailleurs, les médecins belges, dont certains, moi je suis dans un livre dont j'ai oublié le nom, mais où c'est des médecins belges qui au départ étaient absolument contre la loi, ils étaient dans des soins palliatifs, puis ils se sont mis à vraiment écouter leurs patients, puis à le faire, puis qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Que c'est les morts les plus sereines pour eux. Mais bien sûr. Parce qu'ils disent au revoir à leurs patients. Et puis les patients, ils leur disent merci. Et vraiment, moi, quand Alain Coq est mort, j'étais à côté de lui, il m'a dit des blagues, je ne vais pas les raconter, mais il a dit des trucs un peu hallucinants. Il était mort de rire et il est mort en riant, quoi. Parce qu'il avait déclenché son truc et il était heureux parce qu'il n'en pouvait plus de ses souffrances. Il avait vraiment pendant un an tout fait, interpellé le président, etc., dit faites quelque chose, et on n'avait même pas pu lui donner une sédation profonde et continue. Et on l'avait laissé dans sa souffrance, donc il était heureux de partir. Et puis il nous avait dit au revoir à tout le monde. C'est un vrai soulagement. Ouais. Que les médicaments ne font pas finalement. Bah bien oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Jackie, justement? Bon, Mouki. Ça nous intéresserait. Non, mais vous avez, j'imagine, un avis quand même sur. Je suis d'accord. Bah, il a dit. Non, je suis d'accord avec lui, bien sûr. Qui ne serait pas d'accord? Bah si, il y a quand même des gens qui sont. Ah bah si, magistralement bien développé. C'est remarquable. Il y a des désaccords, parce que moi, j'entends ce que vous dites. Et
et ce rapport à la dignité, à la mort qui est belle, etc. Et tout ça, je l'entends. Mais par exemple, l'exemple dont on avait parlé, par exemple, des Pays-Bas, d'une jeune fille de 25 ans, il y a quand même des choses où je souscris à tout ce que vous dites, mais s'il y a des réserves par rapport peut-être au périmètre dans lequel ça pourrait s'exercer, et la peur que ces périmètres s'élargissent, et que peut-être aussi qu'il y ait des gens qui puissent avoir de l'emprise, et ça pose la question du décisionnaire, parce qu'on décide tout seul, mais si on est sous l'emprise de quelqu'un, enfin, je suis pas du tout contre, et j'entends tout ce que vous dites, mais ceux qui ont des réserves, si elles sont constructives, je pense qu'il faut les entendre pour les identifier et débattre, mais je peux comprendre certains avis discordants, moi. Mais sur ce que vous dites, vous avez raison, mais c'est plutôt dans des pays où il n'y a pas de loi que ça se passe. Oui, vous savez, dans le livre, je donne une étude qui est faite par l'Institut National des Études Démographiques, hein, donc pas par nous, pas par des partisans, mais par un organisme d'État qui dit que 0,8% des morts en France, c'est une étude qui a été faite auprès de médecins qui suivaient plus de 4000 morts, donc vraiment une étude extrêmement sérieuse. 0,8% de ces morts ont reçu un produit létal qui est interdit en France. Et seulement 0,2% l'ont demandé. Quand vous avez une loi, bien sûr qu'il peut y avoir des gens qui ne respectent pas la loi. Mmh. Ah, c'est pour ça qu'il y a des prisons, des avocats, etc., des juges. Mais ce n'est pas une dérive. Quand vous avez une loi, ça protège qui d'abord? Et surtout pour une loi comme celle-là, le plus faible. Parce qu'elle pose des conditions. C'est dans les pays où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de condition. Qu'en Belgique, il y a parfois des gens, et d'ailleurs, il y a des gens qui, et aux Pays-Bas, c'est quasiment 10 personnes, c'est souvent des médecins, qui tous les ans sont poursuivis parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure de la loi. Donc, qu'il y ait des gens qui ne respectent pas la loi, c'est une chose. Mais une dérive, quand vous avez une loi bien faite, il n'y en a pas. Oui, et c'est plutôt chez nous où il y a des dérives, parce que malheureusement, comme la loi ne répond pas à ce qu'on fait, il y a des médecins qui... Alors, certains le font en accord avec beaucoup de compassion et prennent beaucoup de risques. Et puis d'autres, vous savez, je raconte, je peux le dire maintenant, parce qu'on verra si sa famille me poursuit, mais je raconte Bernard Debray, que je connaissais très bien, et qui était un grand médecin, et qui, avec qui je faisais souvent des débats, qui était toujours opposé, alors que quand je dînais avec lui, il me racontait qu'il avait pratiqué lui-même beaucoup d'euthanasie, et que, alors je lui disais, c'est bien, je lui dis, mais t'en avais parlé avec les gens, il me disait, ah mais c'est la transgression, c'est moi qui décide. Et non, c'est pas la personne qui décide. Voilà, et on le voit, et je donne aussi un exemple d'un autre professeur de médecine qui, dans une émission, là, parce que qui s'était assez passé inaperçu, quelqu'un d'assez connu, on était assez tabou, et puis il dit, oui, moi je pratique des euthanasies, etc. Alors, je dis, vous le dites comme ça. Il dit, je suis pas le seul, on est quand même nombreux à faire ça. Je dis, mais à chaque fois, vous demandez l'avis à la famille, à la personne déjà. Il dit, pas toujours, ça dépend, si la personne souffre trop. Donc on voit qu'en fait, quand vous avez une loi, c'est une vraie liberté, c'est à la fois, ça vous protège d'abord la personne, et puis ça protège aussi d'ailleurs ces médecins qui ont du courage et qui aident, qui là ne seront pas poursuivis. Mais la loi, moi je suis désolé, c'est quand même mieux d'avoir une loi que d'être dans notre situation actuelle où on ne respecte pas la volonté de la personne. D'où le parallèle avec l'avortement que vous faisiez, où mine de rien, depuis que ça existe, c'est quand même un peu plus cadré, ça se passe un peu mieux. Enfin, j'entends tout ça, hein. C'est juste sur la nature de certaines réserves qui ne sont pas, je pense, forcément juste archaïques, mais j'entends tout ce que vous dites. C'est la liberté de l'être humain de faire ce qu'il veut, c'est tout. Non, puis c'est intéressant, je trouve, ça remet le sujet de la mort aussi au sein de la société, parce que c'est un sujet, c'est un historien qui en parle, je crois que c'est Philippe Ariès, qui a analysé en fait le rapport que nous, on a à la mort aujourd'hui, et on l'a éloigné en fait. En tout cas, nos sociétés occidentales l'ont mis le plus loin possible, notamment dans nos fonctionnements. Et je trouve que c'est intéressant que la mort revienne dans la société, parce que c'est un sujet qui, comme vous dites, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Et du coup, ça donne une certaine puissance aussi à certains médecins, à certaines personnes, de penser qu'ils ont droit de vie ou de mort sur quelqu'un, alors que la mort, c'est quelque chose qui nous appartient à chacun. Et je crois qu'on a urgence aussi pour récupérer peut-être des aspects aussi de notre société, de mettre ça au centre. Mais la mort, elle est cachée. Moi, je raconte la mort de mon père. J'étais enfant. Il était à la maison pendant 4 jours. Du haut de mes 13 ans, j'ai vu mon père et j'ai été confronté à la mort, ce qui est aujourd'hui quelque chose de très rare, puisque la plupart du temps, on va directement à la morgue et plein de gens ne voient plus les morts dans notre société. Et c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, dans les sociétés où les religions monothéistes sont très importantes, c'est compliqué, alors qu'on le voit bien dans les sociétés bouddhistes. Que ce soit la philosophie bouddhiste ou la religion, entre guillemets, les gens ont un rapport extrêmement différent et qui a un rapport qui, je trouve, beaucoup plus sain. Parce que le fait de penser à sa mort, c'est mieux vivre sa vie. C'est de savoir que tout ça va se terminer et de le vivre différemment, alors qu'on est vraiment dans des sociétés où tout ça est caché. La mort est vraiment cachée, on en fait un gros tabou. Et paradoxalement, les gens, ils la vivent aussi beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup plus vieux.
Maintenant, tout le monde, enfin beaucoup de gens, voient la mort de leurs parents de 90 ans, de 95 ans, et parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, s'interrogent aussi sur leurs propres conditions. C'est pour ça que ce débat aujourd'hui est important. Évidemment, quand on mourait à 55 ans, etc., les questions étaient totalement différentes. Aujourd'hui, on y est confronté, mais on a fui ça, alors que je pense que franchement, et je vous dis, moi, je pense que avoir été confronté à ça très jeune a fait que je pense que j'ai peut-être mieux vécu que plein de gens, parce que j'en ai vraiment profité à fond, et je pense qu'on s'occupe beaucoup plus des gens, donc c'est un sujet qui mérite aussi d'être évoqué dans notre société. D'ailleurs, on le voit, les émissions de télé, etc., qui ont été faites ces dernières années, et notamment le documentaire de Marina Carrère-Dancos, ouais, dont on parlait tout à l'heure, ça fonctionne super bien. Les gens, ils ont envie quand même de parler de tout ça, d'en entendre. Et moi, je vois, vous savez, je suis engagé dans plein de questions. Celle où j'ai le plus de monde, où les salles sont pleines à craquer, c'est sur la question de la fin de vie. Hein. J'étais à Chartres il y a deux jours, je vais à Ajaccio la semaine prochaine, je sais qu'Ajaccio sera plein aussi. Enfin, partout où vous allez, même dans des sociétés, on pourrait dire en Corse, la religion est importante, mais pourtant, les gens, et plein de gens qui croient, ils ont envie de venir parler, pas forcément d'ailleurs de m'écouter, ils ont envie de venir raconter leurs histoires, raconter leurs craintes aussi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on libère la parole et puis qu'on permette enfin qu'il y ait une loi qui permette de choisir, voilà, tout simplement, qu'on donne enfin les moyens sur la fin de vie, qu'on s'occupe un peu plus aussi de nos aînés dans les EHPAD. Il serait quand même temps qu'on le fasse, parce que c'est comme ça qu'on voit si une société est évoluée ou pas. Nous, en Afrique... Oui. En parlant de la mort... En même temps, nous, en Afrique, déjà, les EHPAD, c'est très rare. Il y en a pratiquement... Enfin, je parle du Cameroun. Hein. Donc, il n'y a pratiquement pas d'EHPAD. En fait, les personnes âgées, on les prend avec nous. On les garde pendant... on les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. Et en général, quand une personne meurt, il y a une grande cérémonie. Ça peut durer plusieurs jours, d'ailleurs. Hein. On l'accompagne, les gens dansent, les gens chantent. Et donc, c'est vraiment la fête, quelque part. Donc, voilà. Oui. Mais vous avez c'est vrai que notre société a un peu changé. C'est très différent. C'était aussi un peu comme ça. Et maintenant, c'est pas la faute aussi de tout le monde non plus, parce que nos vies ont changé. Que par exemple, quand vous habitez à Paris, que vous avez un petit appartement parce que ça coûte très cher, vous n'avez malheureusement pas la place pour avoir une salle, une chambre médicalisée et tout. Et nos modes de vie ont un peu changé. Et c'est vrai que nos morts sont différentes des vôtres. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on passe quand même de la mort solitaire à la mort solidaire. Ouais. Parce que je pense que quand on a en plus mieux prévu les choses, ben on peut partir accompagner des siens. Accompagner des siens, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est vrai que c'est aussi l'espace, la nature, la place. Ouais. Or, nous, tout ça, c'est quelque part... Vous l'avez. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai. On va terminer sur les mots de Lynn Renault. Ce livre est un cri, dit-elle. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort. Elle a tout dit. Maman m'appartient. Elle a tout dit. Comme les femmes disaient, mon corps m'appartient. Le sermon de Berne, de la mort solitaire à la mort solidaire, bien sûr, aux éditions de l'Archipel, de Jean-Luc Romero Michel, que je demande d'applaudir chaleureusement. Merci Jean-Luc, merci que vous êtes passé nous voir. Il faut rester, hein, bien sûr. Oui, il va rester. On va changer de sujet. On va changer de sujet avec le grand, le maître en la matière. Monsieur Jacky, je vous demande d'applaudir. Bravo. Alors Jacky, on connaît Jacky, producteur, animateur, il a tous les talents, notre ami Jacky. Du reste, il y a une belle activité actuellement. Les émissions reprennent vraiment à fond, là. Je suis notamment sur 20 Approchez-vous bien du micro. Oui, je suis 20... Ça va comme ça, comme ça, hein? Oui, c'est ça. Je suis très bien. On a changé le sujet, là, on le voit tout de suite. Normalement. Je suis donc sur 20 minutes TV. J'anime une émission qui s'appelle Jacky au platine. En référence à Platine 45 que j'ai présenté dans les années 80. Je fais ça d'un théâtre, le théâtre Clavel, où j'invite donc des chanteurs, des chanteuses, des groupes. Voilà. Je présente une autre émission qui s'appelle Les Pépites de Jacky sur 20 minutes TV, où ça c'est des jeunes talents. Et là je fais une interview qui dure à peu près 10 minutes, qu'on pourra voir sur 20 minutes TV et sur le site de 20 minutes papier. Voilà. Et j'ai enregistré cette semaine une émission sur Gulli, 6 primes sur Gulli, qui autour du Club Dorothée, ça va s'appeler Les Jeux du Club Dorothée, voilà, des années Club Dorothée. Voilà, que je présente avec Nicole Ferroni.
Parce que vous connaissez le Burger Quiz. Voilà. Voilà, c'est un peu le système du Burger Quiz. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux équipes, il y a deux candidats connus contre deux candidats connus et un qui dame. Voilà. Il y a des quiz sur le Club Dorothée, il y a les jeux du Club Dorothée, on a bien rigolé. Et ça passe à partir de novembre sur Gulli en Prime. Bravo. Super. Quelle actualité. Bravo, Jackie. Alors, Jackie a été attaché de presse de nombreux artistes, mais notamment de Gainsbourg, de notamment de Gainsbourg. Alors, avant de parler de Gainsbourg, on va l'écouter. Hein, on va écouter d'accord. Un titre que vous avez choisi, du reste, Jackie. Oui, oui, c'est vous, oui. Oui, vous pouvez développer, non? Pourquoi ce titre? On va le dire déjà. Hein. Oui. Oui, pas ici. Non, mais oui, mais dis-le. Non, non, mais. Je voulais le prénom. Je voulais dire que je m'en vais. Voilà. C'est ça. Bah, parce que c'est un titre qui me touche énormément. C'est à l'époque où, où je m'occupais de Serge Gainsbourg. C'était mes débuts avec Serge Gainsbourg. Et je suis très touché par ce titre. J'adore cette mélodie et surtout j'adore son texte. Allez, Serge Gainsbourg sur Radio Armand. Comme d'ici bien Verlaine, pauvre en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis, à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Et je te mets, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je me souviens des jours heureux, mais tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Que ça n'est la vraie. Des adieux à jamais. Hey, je suis au regret. Te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Les larmes n'y font rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent. Qu'est-ce que ça m'énerve. Des adieux jamais. Dire que je m'en vais, oui je t'aimais, aimais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux où tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Que ça me rêve. Des adieux jamais. Je suis au regret. De dire que j'en rêve. Car tu m'as trop fait. D'émotion, parce que j'adore cette chanson, j'adore Gainsbourg. Ouais. Vous êtes rencontré comment? Dans un club libertin. Non, je dis non. Ça change. Il n'y aura rien ça d'étonnant. Ça change l'énergie. Non, c'est pour développer, mon cher Jacques, ça nous intéresse beaucoup. N'est-ce pas Bah, j'étais donc attaché de presse dans une maison d'île qui s'appelait Philips. Le directeur de la promotion était Louis Nucera. Je ne sais pas si vous connaissez Louis Nucera.
À l'époque, il était directeur de la promotion. Après, il passait chez Jean-Claude Lattès, directeur littéraire. Et il cherchait un attaché de presse. Et c'est la femme de Serge Lama, qui s'appelle Daisy Lama, qui était à l'époque attaché de presse. Je vais tout vous dire. Hein. Oui, que j'ai rencontré. On avait un coiffeur en commun, qui, on est devenus potes. À l'époque, j'étais un peu glandeur. Quoi, voilà. Il m'a dit, bah, si un jour je peux t'aider à être attaché de presse, je le ferai. Elle m'a appelé 15 jours après. J'ai eu rendez-vous. Elle me dit, je te préviens, t'es pas tout seul. Voir la place. Donc j'ai vu ce fameux Lunsera, je suis rentré. D'abord, à l'époque, j'avais les cheveux jusque-là, ah oui, avec des vestes bariolées, des creepers, avec ses spéciales, avec des tours Eiffel partout. Il était en train d'écrire, et c'est long parce que je suis resté à peu près 5 minutes debout. Voilà, j'étais là, debout, j'attendais qu'il me dise asseyez-vous. Il m'a dit asseyez-vous. Alors il m'a dit je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous parlez l'anglais? J'ai dit oui, parce que c'était vrai. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le showbiz? J'ai dit non. Je me suis dit, en deux secondes, si jamais je lui dis oui, il va vérifier. Bon, bah, très bien, au revoir. Bon, je me dis, il ne va jamais me rappeler. Il me rappelle dans l'après-midi. Donc, il m'a rappelé chez moi. Hein, l'époque, il n'y avait pas de portée. Il me dit, vous démarrez quand vous voulez. Et deux heures après, j'étais chez Philips. Et là, il m'a dit, Serge Gainsbourg voudrait chercher un attaché de presse. Vous allez aller le voir. Donc, je suis allé le voir. Rue de Verneuil. Je sonne. Et c'est lui qui me bouffe. Déjà, moi, j'étais fan à l'époque, j'avais 25 ans. Et je vois Serge comme ça qui. Voilà. Et bon, il m'a dit, OK. Enfin, il y a eu une conversation, il était très timide, moi aussi, et il m'a dit, OK, tu t'occupes de moi. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et c'est parti comme ça. Ouais. Mais c'est incroyable, ouais. Les rencontres, et les salons de coiffure, hein, très souvent. Bah oui, moi c'est... Non, n'est-ce pas Yvette Leclerc? Vous y allez souvent, vous, les salons de coiffure. Non, mais c'est les rencontres comme vrai. Ça, quoi. Bah, ouais, c'est un truc de fou. Non, mais c'est rigolo. La femme de Serge Lama, Daisy Lama, voilà. Ah ouais, mais ça arrive très très souvent comme ça. Alors, bien sûr, il y a eu la suite des événements, et notamment, vous avez rencontré quand même, grâce à Serge Gainsbourg, pas mal d'artistes, bien sûr. Oui. Je parlais de Catherine Deneuve, entre autres. Oui, parce qu'il produisait... C'est une rencontre incroyable, quand même. Oui, oui, il a écrit un album pour Catherine Deneuve, Paroles et Musique, et il m'a dit, bah, tiens, tu vas t'en occuper. Isabelle Adjani aussi. Alors, j'ai rencontré Isabelle Adjani, mais ça, je l'ai rencontré à Platine 45, il lui avait fait un album. Et elle s'était déguisée en Jackie. Oui, c'est mais à l'époque, j'étais plus attaché de presse. Hein. Non, c'est déguisé. Quand même assez rigolo, quand même. Oui, oui, Isabelle m'a dit, oui, mais elle est très sympa, hein, Isabelle Adjani. Contrairement à ce que les gens disent, elle est vraiment super. Elle m'a dit, tiens, Jackie, j'ai une idée, je vais me déguiser en toi. Donc, elle a mis un pantalon, qui était un peu large pour elle, une veste, et moi, je me suis déguisé, j'avais un Bermuda avec un Marcel, et on a présenté l'émission comme ça. Et c'était super sympa. Et elle a chanté une chanson qui s'appelait Beau comme Bowie. Oui. Voilà. Qui est sur l'album de Serge Gainsbourg. Oui, oui, bah, il a écrit toutes les chansons, bien sûr. Oui, comme bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est vrai. Vous dites que c'était un véritable patron, quoi. C'était quelqu'un qui avait un charisme incroyable. Gainsbourg. Oui. Bah, pour moi, c'est un dandy punk, ouais, un dandy rock même. Il adorait le punk chez lui. Il avait Sid Vicious, des Sex Pistols, plein de photos sur son piano. Il adorait ça, quoi. Ouais. Parce qu'au départ, il faisait pas vraiment de rock'n'roll. C'était plutôt, il faisait du cabaret, enfin dans les années 60. Et il m'a dit, Jackie, j'aimerais quand même faire un jour un peu de rock'n'roll. Bah, je lui ai dit, écoute, je vais te présenter des mecs. Je vais te présenter un groupe qui s'appelait Bijoux, dont je m'occupais, que j'avais signé chez Phonogram. Et je lui ai présenté Bijoux. Et bon, ça a collé. Et il a fait, enfin, je me souviens toujours, il est passé à Épernay avec eux. Il a fait 3 titres de son album Aux Armes, etc. C'était que du rock, et là, il était content. C'est grâce à sa rencontre avec Bijoux, qu'il a continué les tournées. Voilà. Ouais. Il était comment dans la vie de tous les jours? Il était tout le contraire de ce que les gens pensent. C'est-à-dire, il était très maniaque. Quand on allait chez lui, si un cendrier était là, et qu'on le mettait là, il le remettait là. Il faisait tous les objets comme ça. Ça me rappelle Charles Trenet, un peu comme ça aussi. Ouais, ça, je n'ai pas connu Charles Trenet. Ah, ben moi, je l'ai bien connu, et je peux vous assurer que c'est un peu le même genre. Il était très ponctuel, très professionnel. Quand j'organisais des interviews avec un journaliste, il voulait lire le papier du journaliste avant, pas le sien, mais ce qu'avait fait le journaliste. Il me disait, OK, les interviews avaient toujours lieu chez lui. Et il voulait lire le papier du journaliste avant l'apparition. Donc, c'est pas du tout quelqu'un de désordonné, quoi. C'est... Ouais. On dit que chez lui, tous les murs sont noirs. Oui, c'est vrai. Tout est noir. Tout était noir. Enfin, tout est encore noir, parce que la rue de Verneuil existe encore. Oui, ouais. Absolument. Ouais. Il avait aussi acheté une Rolls un peu psychédélique, parce que c'était un enfant dans sa tête. Il m'a dit, Jackie, j'ai acheté une Rolls, la même que John Lennon, qui avait acheté une Rolls psychédélique. Il me dit, j'ai pas le permis, mais tu vas la conduire. J'ai dit, attends, c'est je vais pas conduire une, j'avais peur. Alors, je me souviens, on est allé, il avait garé avenue Marceau. Il m'a donné les clés, et j'ai conduit sa Rolls. Ah oui, c'était un truc de fou, quoi. C'était que des trucs comme ça qui me reviennent. Ouais. Est-ce qu'il avait un côté sombre?
Oui, bah, il était très angoissé. Il était très angoissé parce qu'à l'époque, il était connu, mais il ne vendait pas de disques. Il vendait juste les chansons, enfin c'est déjà pas mal, qu'il composait pour les autres, pour France Gall, pour tout ça. Et donc il était à une période un peu charnière. Il avait sorti un album qui était comme Rock Around the Bunker. Bon, il parlait un peu de sa judaïté. Tous ses albums étaient fantastiques. En fait, il n'arrivait pas à vendre. Et moi j'allais en radio avec mes vinyles. Et on me disait, c'était la phrase magique, on me disait, ce n'est pas la couleur de l'antenne. Alors en français, ce n'est pas la couleur de l'antenne, c'est-à-dire que je ne le passerai pas. Quoi. Et il était très angoissé, quoi, ça ne démarrait pas. En fait, il a été disque d'or à titre posthume. Le seul qui a été disque d'or de son vivant, c'est Aux Armes, etc. Ah oui. Rocker of the Bunker, Ma tête des choux, c'est vu de l'extérieur. J'y arrivais pas. Il était quand même connu, mais il voulait une pandémie, mais ça ne passait pas en radio. Quoi. Ouais. Et puis il y a eu ensuite ce côté un peu noir qui est arrivé, bien sûr, l'alcool, c'était terrible, hein, c'était terrible. Et oui. À partir de là, la vie a un peu basculé. Oui, bah, c'était la période Gainsbourg, il parlait de Gainsbourg à Gainsbourg. Mais moi, à cette époque-là, je faisais de la télévision, mais je le voyais encore. Oui. Avec Antoine Decaune, on a fait un spécial Enfant du Rock, il venait souvent à Platine 45 avec moi, je l'invitais, tout ça. Même quand il avait rien à vendre, il venait, voilà. Mais c'est vrai que c'était terrible, là, oui, là il a été... oui, ouais. Là, vous avez été témoin, paraît-il, d'après ce que vous dites, en tout cas, de scènes un petit peu avec Jane, où tout se passait pas toujours très bien. Oui, moi, à la fin, ils sont séparés, oui. Moi, je les ai vus vraiment s'écharper, vraiment. C'était en plus devant moi. Moi, j'étais un peu gêné, quoi. Parce que bon, oui, c'était assez dur. Vous gardez quand même de bons souvenirs de notre ami Gainsbourg, évidemment. Oui. Alors là, il va se passer quelque. Enfin, c'est fait déjà, puisque c'est fait. Il y a la maison Gainsbourg depuis un mois à peine. Hein, le 23 septembre. Le 23 septembre, il y a la maison Gainsbourg. Oui. Alors, que peut-on voir dans cette maison Gainsbourg, vous qui la connaissez? Je la connais bien. J'y suis allé souvent. J'ai voulu y retourner quand même pour voir ce qui se passait. C'est exact parce que comme il était très méticuleux tout ça, sa fille Charlotte Gainsbourg qui s'occupe de ça, elle le savait très bien. Donc elle a touché à rien. Et c'est vrai. Quand j'y suis allé, alors que je ne suis pas allé depuis 30 ans, j'avais l'impression d'être allé la veille. Quoi. Il y a tous ces objets qui sont là. Le piano. Le frigidaire. Il y a tout, la cuisine. Il y a une pièce unique réalisée sur mesure pour l'artiste. C'est quoi cette pièce unique? Vous voulez dire une pièce Oui, j'ai lu qu'il y avait une pièce unique réalisée sur mesure. Pour l'artiste. Mais une pièce dans un appartement. Oui, absolument. C'est sa chambre. C'est sa chambre. Alors, elle est comment, la chambre de Gainsbourg? Elle est tout en noir. Tout noir, quoi. Tout noir. Le lit n'a pas bougé de place. Il est contre un mur. Il dormait sans oreiller. Alors, je ne sais pas comment il faisait. Ah oui. Oui, parce que parfois, j'accompagnais, je le bordais, parce qu'il était quand même... Un peu fatigué. Oui. Et rien n'a bougé. Quoi. Ouais. C'est hallucinant, c'est vrai. Ouais. Avec la même lumière qu'à l'époque. Il avait les draps de quelle couleur? Devine. Voilà. Tout était noir. Oui, c'est vrai, en plus, il y avait des draps noirs. Il avait des draps noirs. Alors, maintenant, on peut visiter, justement. Oui, on peut visiter la maison Gainsbourg. D'ailleurs, ça marche tellement bien que c'est complet jusqu'en janvier, quoi. Mais c'est par groupe, hein, je crois. Parce oui, c'est par groupe. Rentrer, c'est par groupe. Voilà. Ouais. Donc là, on peut y aller, il n'y a pas de problème, il faut réserver. Il faut réserver sur Internet. Voilà. Absolument, ouais. Madame. Elle y est allée 10 fois, déjà, la dame. Ça, c'est bon, formidable. Voilà. Vous seriez intéressé, Jean-Luc, justement? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai pas connu Gainsbourg, mais j'ai connu un peu de Jane Birkin parce qu'elle était très engagée pour les Birmans et la Birmanie. Et oui, elle l'a encore vue peu de temps avant sa mort parce qu'elle était venue à une manifestation qu'on a organisée. C'est un mythe. Gainsbourg-Birkin, c'est un mythe. Ah, bah oui, c'était le couple. Bien sûr. Plus, elle était d'une telle beauté, elle aussi. Belle, intelligente, talent. Nous, on a eu Serge Gainsbourg à dîner à la maison, en famille, via mon frère. Et oui, parce qu'il faut dire que frère de Bébé Ange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Billy Obama. Voilà. Le choriste de Gainsbourg. Qui était choriste. Oui, ils ont chanté. Ouais, choriste. Ils ont chanté ensemble aussi. You Wonder Us 'Cause You're the Best. Voilà. Donc, du coup, ils avaient fait une tournée en Belgique. Et après la tournée, il était venu dîner à la maison. Et c'est moi qui suis partie ouvrir. ils m'ont dit, allez, va accueillir Serge Gainsbourg, j'avais le cœur. C'est comme moi, alors. Non, mais sérieux. Moi, j'ai ouvert la porte, j'ai vu la trompe de Serge à 25 ans. Voilà, une anecdote. On pense très fort à Gainsbourg. Ça fait combien de temps qu'il est parti, en fait? 91.
91. Mars 91. Ça passe une rapidité incroyable. Voilà. En tout cas, allez voir cette visiter donc cette maison de Gainsbourg. Hein, c'est très important. Et puis on va parler aussi. Ça n'a rien à voir, mais quand même, la meilleure émission, le meilleur de l'émission Téléculte des années 80. Je veux bien sûr parler de Platine 45. Platine 45. Oui, évidemment. Voilà. C'est tout un jeu des plateaux, des clips. Et à l'époque, on était encore maintenant, d'ailleurs en 2023, on était la seule émission de clips à réaliser nos clips. C'était pas des clips de maison de disques. Voilà. Alors, donc, on peut vous voir. Et on a reçu tout le monde, tout le monde. Ah bah oui, ça j'imagine. Ouais. Donc, on peut vous voir chaque semaine. Oui. Donc, dans votre émission, c'est 20 minutes TV, Jackie au platine. C'est plus diffusé. Les de Jackie. C'est diffusé le samedi, me semble-t-il. Oui. En première diffusion. En première diffusion. Voilà. Et ensuite, on peut. Voilà. Et sur Gulli, mi-novembre, pendant 6 semaines. Voilà. D'accord. Mais c'est formidable. Bravo. Hein. Merci Jackie de nous avoir parlé de celui que vous avez connu et, et que vous aimez toujours, bien sûr. Je l'aime toujours, je pense souvent à lui, très souvent. Ouais, ouais, Gainsbourg. À côté de vous, une autre déesse. Une déesse 19, non ? Après, évidemment, Yvette Leglaire. Oui, il y a l'autre déesse. On a un peu coiffé pareil. Voilà, on était des déesses coiffées pareil. Alors, racontez-nous, bébé Ange, vous venez du Cameroun, vous avez donc tourné un clip, c'est ça ? Oui, en fait, on a tourné deux clips vidéo au Cameroun. Mm-hmm. Donc, en fait, deux titres. Un titre qui s'intitule Yaoundé, comme moi je suis née... à Yaoundé, donc c'est la capitale du Cameroun. Et puis l'autre titre, c'est d'Afrique. Et du coup, au niveau des auteurs-compositeurs d'Afrique, c'est Gérald Ayani qui a composé et écrit d'Afrique. Gérald Ayani, en fait, lui, il avait composé Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Voilà. Et Yaoundé, c'est Alain Turban qui a écrit... les paroles, et Gérald Ayani qui a composé la musique. Donc du coup, je me suis dit, en fait, ce sont des thèmes qui touchent l'Afrique. Hein. Ah oui. Donc je n'ai jamais eu des chansons sur ces thèmes-là. Et j'ai décidé d'aller tourner au Cameroun, hein. Voilà, mon pays d'origine. C'était la première fois que vous alliez justement pour tourner un clip là-bas ? Ah oui, non, j'étais déjà partie pour Syracuse. Mmh. La reprise de Aris Abadan. Alors, Yvan, moi j'ai vu des images, je ne sais pas, Erwan, si on peut montrer le teaser, mais alors, tout le monde vous connaît là-bas, vous êtes une star au Cameroun. La star. Bah écoutez, vraiment. En fait, pour d'Afrique, le teaser, c'est plutôt, comment dirais-je, dans mon village, le village natal. Hein. Ouais. Donc, du coup, on a tourné avec des motards, mais là, c'est juste un petit extrait. Après, on a tourné à la capitale. Mais une autre chanson et aussi le village de Yannick Noah. On regarde le teaser. Quand je disais que vous êtes une star, il y a même les motards, les desperados. Il y a tout le monde, Mais tout le monde est là. On n'en a pas assez, là. C'est incroyable, vous aviez toutes les télévisions, là. C'est formidable. Alors, l'album sort quand, en fait, le prochain album ? L'album, en fait, on est en train de finir la pochette, parce que là, on a fait 14 titres. Oui. Et pas que sur le thème d'Afrique. D'Afrique, comme je vous ai dit, c'est que deux titres. Donc, il y a pas mal de morceaux. Donc j'ai souvent chanté chez toi, au bise. Chez toi, au bise, oui, bien sûr. Voilà, et puis là, c'est pour bientôt. Hein. On a pratiquement fini, et puis c'est surtout la pochette de disque, et puis après, on verra la suite, hein, faire un showcase, par exemple. Une fois que tout ça sera vraiment en place. Sur pied, ça sera le showcase, et puis commencer à démarcher avec cet album. Voilà, elle a de belles chansons, voilà, elle est sympa, c'est bien. Elle est auteur. Mais tu le sors en physique ? Pardon ? Est-ce que tu le sors en physique ?
C'est-à-dire le disque, ouais, oui. Bien sûr. Les deux. Tu lui feras l'ensemble. L'ensemble. Ça n'a rien de sexuel. Sortir en physique. Non, c'est bien pour quelqu'un d'aussi jeune de faire des disques, c'est bien. Par rapport à vous, c'est sûr. Bon, écoutez, allez, cadeau, Yvette, c'est pour vous. On va voir le clip en entier. Pour maintenant. Sur Armada. Bien sûr, c'est vrai. Menongon Boulou, la Yaoundé. Manga Diallé, Yaoundé. À chacun son village, sa ville et ses lumières. Je t'amène en voyage au centre de la terre. À chacun sa tribu. Ces mystères, je danserai pieds nus sur les traces d'hier. Yaoundé, Yaoundé, mon pays, mon petit frère. Yaoundé, Yaoundé, le ventre de ma mère. À chacun sa musique, son histoire en chanson. La mienne, c'est de l'Afrique. Que résonne mon prénom. À chacun sa mémoire. Je le dis en chantant. Les images, et vous disiez que les enfants chantent. Ah ouais, non, c'est vrai, les enfants à peine. Ouais. Et les paroles, il y a un passage où je chante en dialecte. Donc ça, ce sont mes paroles. Parce qu'en fait, quand on avait fini la chanson ici, j'ai dit à Alain, ce serait bien qu'il y ait quand même un petit passage du dialecte en camerounais. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, les gens aiment bien... Là-bas, au Cameroun, ils aiment bien. Hein. Mais on aime aussi en France. Hein. Oui, on aime tous. On aime tous. Il faut rassurer Bébé Ange. Même en France, on aime beaucoup. Merci beaucoup, Bébé. On applaudit notre ami. Godefroy. Oui.
La relève. Attention, les trois coups, les trois coups. Ouais, je stresse. Alors attention, c'est Godefroy. Alors attention, le moment marrant de la radio. Alors, on va rigoler. On va rigoler. Aussi fantaisiste que vos cheveux. Alors, non, oui, donc dans la donc dans cette rubrique que j'ai appelée la semaine de Godefroy. Donc dans la semaine de Godefroy, qu'est-ce qu'on a? Alors à la campagne, des agriculteurs qui enterrent leur slip afin d'en savoir plus sur la qualité de leur sol. Oui. Pendant qu'en ville, ce sont des punaises de lit qui testent la qualité de nos matelas et autres sommiers. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, à l'international, c'est un collectif d'acteurs nains qui est en colère contre la nouvelle version de Blanche-Neige. Mmh. Voilà, donc on va démarrer avec les fameux sous-vêtements des agriculteurs. Mmh. Donc en fait, la semaine dernière, j'ai appris que la société Belle Année a distribué des dizaines de slips que des agriculteurs des Deux-Sèvres ont enterrés dans leurs parcelles. D'accord. C'est un sujet très sérieux, beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Alors, il y avait le slip d'Yvette Leglaire, non? Parce que moi, je vais aller les récupérer. Tout seul, puis tout seul, le terrain va être fertile. Hein. Bon, allez. Non, mais on a des équipes d'investigation qui sont allées loin sur le sujet, mais apparemment, il y a encore de la marge. Donc, Yvette, si tu veux les rejoindre, d'accord. Pour creuser, voilà. Oui, pour creuser, voilà. Creuser mon trou. Priorité au direct. Donc, donc l'idée, en fait, c'est que plus le slip est décomposé quand on le déterre. Ah d'accord. Voilà, on y arrive, Yvette. Plus ça signifie que la terre est riche et donc plus c'est bon signe. D'accord. Ah d'accord. Et alors moi ça me fait marrer parce que c'est un peu comme dans les soirées sympas et plus si affinité. Mmh. C'est-à-dire que en fait c'est un peu pareil parce que plus on met du temps à retrouver ses sous-vêtements après, plus c'est bon signe. Ah oui. Voilà. C'est vrai. Bon alors ceci dit, j'ai appris que cette technique était déjà utilisée par la génération de nos grands-parents. Et un peu comme le jour où j'ai appris ce qu'il y a vraiment dans l'andouillette, je pense que j'aurais préféré ne jamais le savoir. Parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, moi, je rêve de trouver une trace de trésor en creusant dans le jardin de la maison familiale. Et là, j'ose plus creuser, quoi. Vraiment, je préfère rester pauvre, mais digne. Voilà. Alors oui, je vous parlais de ces sous-vêtements qu'on enterre, mais il y a aussi les fameuses punaises de lit. Donc oui, c'est notre version. Alors ces derniers temps, c'est pas drôle. Hein. Ah ouais, c'est drôle. Il y a rien de rigolo là. On entend trop. Ouais. Bah on en a beaucoup entendu parler. Et puis elles prolifèrent vraiment partout, quoi. Elles sont dans nos vêtements, dans nos lits, dans les maisons et même dans les métros. Alors dans les rames de métro, mais pas toutes, parce qu'il. Bah alors il paraît qu'on en a jamais trouvé dans la ligne 13. Parce que les punaises ont le sens de l'aventure et de la conquête, mais il semblerait quand même qu'elles aient une certaine idée du bien-être. Voilà, elles s'aventurent, mais la ligne 13, on ne les a pas trouvées. Alors, au-delà de ça même, le terme de punaise de lit, alors ça c'est très intéressant, a été remis en question, figurez-vous, par un député Europe Écologie Les Verts qui milite, je vous promets que c'est vrai, pour une approche bienveillante dans le cadre du bien-être animal. Voilà. Donc, parce qu'ici, on cite ses sources, donc c'est Marie-François Amar, qui préfère parler de liminaire plutôt que de punaise de lit afin de changer notre regard. Ah. Et moi, je trouve que ça marche bien. Tout de suite, ça marche mieux parce que c'est vrai qu'au lieu de dire « Mais qu'est-ce que c'est tous ces boutons, Jean-Eudes ?»« Mais non, mais c'est pas des boutons, c'est des traces de luminaire. Hein. Tu connais pas, ça vient de sortir. Hein. » Vraiment tout le temps à côté de la plaque, toi. Donc c'est vrai que donc chez nous, c'est vraiment, je trouve, les deux trucs qui m'ont fait rigoler cette semaine et un peu plus à l'international. Donc oui, il y a un collectif d'acteurs nains qui a beaucoup fait parler parce que ils sont en colère. Voilà, les nains sont en colère. Il faut le savoir, Christophe, contre la nouvelle version woke, parce qu'il faut le dire, de Blanche-Neige, parce que en fait, Disney ressort Blanche-Neige et les sept nains, mais avec une particularité, c'est qu'il n'y a plus les sept nains. Voilà. C'est bien ça. Problème. Alors je sais pas si on va aller jusqu'à l'euthanasie de Blanche-Neige, mais il y a quand même un souci. Alors et donc non, je sais pas. En plus, tu as raison parce qu'effectivement, Blanche-Neige est d'origine latina. Ouais. Voilà, oui. Le problème, pourquoi les nains sont pas contents? Alors, à la base, Disney fait ça dans une optique de respect, mais les nains sont pas contents parce que, mine de rien, il y avait quand même des nains qui avaient été castés pour les rôles. Et les offres de travail pour les acteurs nains, ça court pas les rues, quoi. Et quand on y pense, là, ça fait quand même 7 rôles de moins d'un coup. Donc ils sont vraiment très très en colère, ils protestent, on n'y avait pas pensé. Et puis moi, je peux pas m'empêcher de me dire que être au chômage, c'est quand même un peu ballot pour des acteurs dont la réplique principale c'était Eh oh, on rentre du boulot. Bon, enfin, au final, ce qui est bien, c'est que chacun aura son pignon sur le sujet. Et moi, je sais pas pour les nains, mais ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, ça m'aura donné du travail. Ah. Merci beaucoup. Bonjour.
Bravo. Quel talent. Brillant. Brillant, ce garçon. Il ira loin. Hein. Mais vous aussi, ma chère Yvette Le Clerc. Moi, je reviens de loin. C'est différent. Alors, Yvette Le Clerc, mais elle est super. Hein. Ça y est, elle est là. Ah, il est là, il est tout chaud. Il est beau. Magnifique. Et il est là. Montrez-le. Je montrerai à qui veut le voir. Personne. Ah voilà, il vient de sortir, oui. Il est très très beau. Hein. Et oui, mon nouveau disque en vinyle. C'est beau. Et le digipack qui sort, qui est en fabrication. Le digipack, il arrive. Le vinyle arrivait plus vite, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin bon, ouais. Voilà, on s'était pris un peu à l'avance. Voilà. Alors, on dit que vous êtes un personnage imaginaire. La reine de la nuit. Moi, je vois ça partout, mais c'est incroyable. Mais vous faites toutes les nuits parisiennes. Je ne sors plus la nuit. Ah bah moi, c'est parce que... La reine de la nuit. Ah, quand je suis sorti de mon EHPAD, on dit madame, c'est fermé, rentrez dans votre chambre. L'agent de sécurité me dit non, le petit déjeuner, 8h30 demain, puis c'est tout. Quoi, voilà, quoi. Je passe par-dessus, je fais le mur. Oui, je m'accroche en plus. Alors, il faut dire que Yvette Le Clerc est passée quand même pendant des années. Oui, je suis passé. J'ai passé, oui. Non, mais c'est dingue. Tous les dimanches. Tous les dimanches soirs, lorsqu'on revient de week-end en général, c'est pas. Tout le monde se déplaçait pour arriver à Yvette Le Clerc. À quelle heure? 22h30, point virgule, oui. Et ça a duré combien de temps? 13 ans. 13 ans. J'ai arrêté en 2019. Oh là là. Un an avant le Covid. Prémonitoire. J'avais tout compris, oui. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, où est-ce que l'on peut vous applaudir actuellement? Chez moi maintenant. Votre chambre de préférence. On vient de, donc l'album vient de sortir, donc je commence à préparer le nouveau spectacle avec toutes les nouvelles chansons. Donc pour l'instant on a fait des petits endroits, et puis j'ai ma revue à Lille. Là j'étais au casino de Lille pour le festival ciné comédie qui rendait hommage à Michel Serrault, et donc il passait la cage aux folles, et donc j'étais là en première partie. Et donc j'ai ma revue, et puis on va repartir, j'espère refaire des salles à Paris. En tout cas, pour l'instant, il faut que je les apprenne toutes parce qu'il y en a 14. Moi, je vous ai vu la dernière fois au Grand Point Virgule. Oui, c'est que j'ai quitté en 2019. Ouais. J'ai quitté le Point Virgule par le Grand Point. Tu étais là. Oui, bien sûr. Je reviendrai, je l'avais dit. Là, ce qui est important, c'est effectivement mes chansons, parce que j'ai quand même. Je suis très, très heureuse. On a commencé à travailler pendant le second confinement et j'ai réussi à avoir 14 chansons nouvelles, une musique de Jean-Jacques Debout. Voilà, qui est une chanson qu'il avait dans un cabaret, qui m'a donné l'autorisation de réécrire un texte complètement différent. Marie-Paul Bell m'a composé si gentiment deux musiques. Et puis j'ai Michel qui chante avec moi. Et puis j'ai le fameux Place aux Femmes avec. Place aux Femmes, voilà, entouré de 20. Voilà. 20 une chanteuse dont Nicole Ferroni, dont vous parlez. 20 tout à l'heure, personnalité du Nicole, ah bon? Oui, elle a accepté de. Chanson sur les femmes, car j'adore les femmes. Et c'est tellement important pour nous, les femmes. Enfin, voilà, sont nos sœurs, nos femmes, nos mères, nos copines, enfin. Et je sais que, que toutes ces femmes, ces personnalités ont accepté. Elles ont toutes accepté. Sauf rapidement. Une, mais je ne dirais pas laquelle. Non, la dernière chanson de l'album s'appelle Je fais ma pute et pas ma langue de pute. Avant c'était Tati Daniel, c'était les saloperies. Maintenant je ne dis plus de saloperies. Je dis que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil. Je ne dis plus de saloperies. Donc vous ne saurez pas. Mais en tout cas, c'est des. Il y a une chapelle, non. En plus, elle n'est pas morte, donc je ne peux pas le dire. Ouais, mais ça va aller. Non, voilà. Voilà, Tu lui diras son nom après. Elles ont tout accepté. C'était un enregistrement extraordinaire de les avoir toutes. Des chanteuses, quand même, qui n'ont pas 20 ans, vous voyez. Francesca Solévi, Jacqueline Dulac, Jacqueline Boyer. Voilà, des grandes dames. Voilà, Corinne Hermès, bon, on est beaucoup plus jeunes. Et puis Marie-Paul Bell, et puis Stone, et puis Fabienne Thibault, et puis Isa Ferrer, Chantal Latsou, Nicole Ferroni, elles ont toutes été là. Voilà. Elles m'ont toutes donné le bonheur que j'espérais, mais que je ne savais même pas si j'allais l'avoir. Voilà. Mm. Et la chanson est très belle, c'est pour moi que je l'ai faite en plus avec Daniel Castano, et voilà, et donc je suis très très fier de l'avoir sur l'album. On peut écouter un extrait. Et on peut regarder le clip, ouais. Allez, un petit bout de clip. Voilà. Place aux femmes de toutes les générations, place aux femmes pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes
de toutes les générations. Place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leurs noms. Place aux femmes, à celles qui ont donné l'espoir, à celles qui ont changé l'histoire, qu'elles gardent une place dans nos mémoires. Place aux femmes, de toutes les générations. Place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leurs noms. Place aux femmes, à celles qui ont changé les lois, qui ont risqué leur vie parfois pour faire reconnaître leurs droits. Place aux femmes. Place aux femmes. Ouais, place aux femmes. Coco Chanel, Sœur Emmanuelle, Lucie Aubrac, Mireille Dac, Yvette Guilbert, Yvette Horner, Fanny Ardant, Jacqueline Maillot, Barbara Pia Damien, Anne Sinclair, Joséphine Baker, Simone Veil, Camille Claudel, Marie Curie, Nana Mouskouri, Béatrice Dalle, Suzy Delair, France Gall, Edwige Feuillère, Miss Tinguette, Arletty, Colette, Gisèle Halimi. Place aux femmes de toutes les générations. Place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, à celles qui ont donné l'espoir, à celles qui ont changé l'histoire, qu'elles gardent une place dans nos mémoires. Place aux femmes de toutes les générations. Place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, sans qui nous ne serions personne, qui ont fait de nous ce que nous sommes, que l'on soit une femme ou un homme. Place aux femmes. Place aux femmes. Place aux femmes. Les Glazer, Zizi Jeanmaire, Brigitte Bardot, Annie Girardot, Marlène Jobert, Romy Schneider, Sylvie Ricard, Dalida, Mireille Mathieu, Daniel Darieux, Maria Callas, Marguerite Duras, Louise Michel, Régine Fréhel, Marie Laforêt, Simone Signoret, Berthe Sylvain, Lucienne Boyer, Agnès Varda, Anouk Aimé, Sylvie Jolie, Lynn Renaud, Annie Cordy, Juliette Gréco. Et si on rebaptisait les rues, les places, les boulevards, les avenues qui portent tant de noms communs, la place du marché, la rue du commerce, l'avenue de la gare, par le nom de femmes hors du commun, pour que partout l'on se promène, en voyant leurs noms sur les murs, on se souvienne, pour qu'à chaque fois qu'on écrit son adresse, c'est un hommage qu'on leur adresse. Place aux femmes de toutes les générations. Place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, place aux femmes, à celles qui ont donné l'espoir, à celles qui ont changé l'histoire, qu'elles gardent une place dans nos mémoires. Place aux femmes de toutes les générations. Place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, à celles qui ont changé les lois, qui ont risqué leur vie parfois pour faire reconnaître leurs droits. Place aux femmes. Il y en a tellement qu'on en oublie. François Sagan, François Hardy. Place aux femmes. Place aux femmes. Place aux femmes. Place aux femmes. Que Godefroy a beaucoup apprécié. Bah oui, ça s'appelle Place aux femmes, mais tu leur as piqué leurs cheveux, c'est quand même. Donc, l'album s'appelle Place aux femmes sans cesse, parce que ce sont des chansons de femmes que je chante, et la chanson s'appelle Place aux femmes, puisque comme c'est écrit, il faut donner de la place aux femmes en donnant des places aux femmes. Et c'est pour ça que Godefroy. Bravo. Voilà, voilà. On les aime, on les aime. Ouais. On va donner la place à une autre femme, si voilà. Vous voulez bien, Yvette. C'est bien le lien, là, j'adore. C'est pas mal, hein. C'est parfaite transition. C'est pas mal, j'ai ouais, super. Ouais, 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 c'est bien, t'es doué. Voilà. Hein. Oh, c'est animateur. C'était oui. C'est celui. C'est Céline Aviani. Applaudissements pour Céline Aviani. Bravo. Merci, bonsoir. J'aime bien votre accent, Céline. Oui, pareil, qu'on l'entend bien. Vous nous venez de quelle région ? Moi, je suis originaire de la région toulousaine. Je viens du Gers. J'ai grandi dans le Gers. Oh là là, on y mange très, très bien. Oui, oui, oui. Où ça, dans le Gers ? Et on adore Toulouse. Oh, je ne sais pas si vous connaissez Florence.
Florence. C'est un tout petit village. Enfin, c'est une petite ville. On connaît Florence normalement, mais c'est pas une Florence. Histoire. Je fais plein de places à Florence. Ouais, tu vas créer une place pour une femme à Florence. Mais j'ai Florence Artaud déjà, non mais voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous êtes auteur, compositrice, interprète. Oui. Alors, vous venez sur Paris un jour. Alors, que se passe-t-il? Quelle est l'idée? Quel était le déclic en fait? Pour faire de la musique. Oui, pour faire de la musique. Alors, c'était pas du tout prévu. Moi, je voulais partir, je voulais travailler dans les musées, je voulais être conservatrice du patrimoine. Ça, moi, c'était mon rêve, c'était travailler dans la culture. Et en fait... Avec Le Gler comme modèle, oui. Pourquoi mais pas, on pourrait faire une très belle expo. Je suis encore bien conservée. Ah, tout à fait, je suis d'accord. Très belle conservation. Et voilà, et en fait, ça s'est fait... Je n'en peux plus, Jackie. Non, ça va, j'écoute. Et ça s'est fait qu'en fait, je faisais des études d'histoire à Toulouse, et j'étais juste à côté du conservatoire, et j'ai dit à ma maman que la musique me manquait parce que j'ai toujours fait piano, j'ai toujours fait de la musique. Et en fait, elle pensait m'inscrire à la chorale, elle s'est trompée. Elle m'a inscrite en audition de chant lyrique. Et de chant lyrique, j'ai été réorientée en musique actuelle. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ai découvert l'écriture et la composition en étant au conservatoire. Et pour moi, ça a été une révélation, vraiment. Et j'ai changé complètement de direction. Je me dis, en fait, je veux être artiste. Et voilà, est-ce qu'il y a une rencontre ? Parce que très souvent, chez tous les artistes, il y a la rencontre. Hein, par exemple, avec Gainsbourg. Est-ce que vous, il y a une rencontre à un moment venu ? Christian, tout à fait. Christian est une très belle rencontre. À part moi, hein. Parce que c'était une rencontre. Tu fais partie des rencontres, Christian. Un peu charnel, tous les deux. Oui. Ben, en tout cas, tu m'as parlé, je crois. Qu'on appelle aussi la brute ou le truand. Ouais. Je ne connaissais pas ses surnoms à Christian. Ah, tu connais le film? Ah oui, je le connais bon le film. Mais tu vas apprendre à me connaître. Hein. Non, allez. Alors ? Et non, je dirais pas qu'il y a eu une rencontre particulière. Pour moi, la rencontre, c'est vraiment la rencontre à ce moment-là, cette espèce de destinée qui change pour moi quand j'intègre le conservatoire. Vraiment, je pense que c'est pour moi le changement. Et après, là, les rencontres que, notamment cet été, j'ai enregistré mon EP à Astafort, donc dans les studios de Francis Cabrel et avec la famille de Francis Cabrel, et notamment avec Estelle Déhu qui a réalisé le dernier album des Trois Cafés Gourmands. Et ça, vraiment, c'est une rencontre. Parce que c'était vraiment la première fois que quelqu'un rentrait là où j'avais envie d'aller musicalement. Donc c'est une belle rencontre. Mais nous on s'est rencontrés en allant voir le spectacle de Vanille Claire. Oui. Hein, vous étiez là. Oui. Et bon voilà, il y a eu le feeling qui est passé. Vous m'avez dit que vous étiez chanteuse, on écoutait ce que vous faisiez. Quelques jours plus tard, vous étiez sur scène. Au Biz, hein, tout à fait. Au Biz, à Paris. Et on vous a beaucoup apprécié. Vous savez pourquoi on l'appréciait? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a beaucoup de talent. C'est très gentil, merci. Alors, j'aimerais que vous alliez maintenant au micro et que vous puissiez interpréter votre titre. Alors, c'est une exclusivité parce que le single sort le 3 novembre. Hein, et c'est un single qui parle... Parce que moi, en parallèle, je suis CPE dans les établissements scolaires. Je fais de la gestion de crise. Hein, ah. Et c'est un vous single... Avez du boulot en ce moment. Ouais, ouais, on s'ennuie pas. Et c'est un single qui me tient particulièrement à cœur. Il s'appelle Un Nouveau Monde. Et il parle notamment du harcèlement scolaire, de la différence. Et je crois aussi de cette volonté qu'on a tous d'avoir quelque chose, un peu un renouveau. Je crois qu'on en a urgemment besoin. Bravo. Donc, un nouveau monde. Bravo. Bravo. Et tu es très belle, ça va t'aider. J'espère qu'on va avoir mon talent avant la musique, quand même. Oui, comme toi. J'espère en avoir dans la tête aussi. Ah, bon. C'est marrant. Moi, on parlait tout à l'heure d'Oui. De... J'ai pas la côte, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Bien leur faire, je suis pas la mode, un peu trop haute, mais qu'est-ce que je peux bien y faire, comment je vais faire moi, pour pas m'enfuir, pour m'en sortir, sans risque, comment je peux faire moi, pour pas faiblir. M'efface, comment retrouver ma trace, trouver ma trace, comment je vais faire moi, pour pas me détruire, pour reconstruire ma vie, comment je peux faire moi, pour pas souffrir,
sympa. Hein. Très sympa. On est gâtés. Hein, ah, c'est très émouvant, ouais, ouais, cette chanson. Céline Aviel. Ah, très très, très, très belle chanson. Merci. Beau texte. Bravo. Tu chantes divinement bien. Ouais. C'est très gentil, merci. C'est la première fois que je l'ai chanté en live et je suis très contente de l'avoir fait ici. Mais nous sommes très heureux que ce soit chez voilà. Nous. Voilà. Quel honneur. Merci. Quel honneur pour c'est une chanson nous. Qui me tient. C'est un bonheur, ouais. C'est un bonheur. On sent qu'elle te tient à cœur, cette ouais, chanson. Ouais, c'est une chanson ouais. Qui me tient à cœur parce ouais. Qu'elle fait partie du premier EP ouais. Qui va sortir début 2024. Hein. Ah. Et c'est un EP qui parle un peu de. On va dire, c'est un peu un album concept que j'ai en tête. Hein. Et le premier EP, c'est la fracture. C'est ce qui peut faire fracture chez chacun de nous. Ouais. Et comment on se reconstruit quand on ne correspond pas aux normes, aux codes, ou même en tout cas, je pense qu'on a tous une différence en nous et comment on fait. Et elle parle aussi, voilà, cette EP va parler de protection de l'enfance, de santé mentale des jeunes, qui sont vraiment des sujets. Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de jeunes qui sont dans une très très grande souffrance. Et je crois qu'il y a des sujets en lien avec l'enfance dont il faut parler. Il y a eu des très beaux documentaires, notamment d'Emmanuel Béart sur l'inceste, sur tous ces sujets-là, sur le harcèlement scolaire. Et nous, c'est des thématiques, moi je suis CPE, auxquelles on est très confrontés. Et je crois voilà, qu'il faut essayer d'en parler. Et en tout cas, voilà, cette EP va parler de tous ces sujets-là. Merci. J'espère, voilà, à ma manière et avec mes mots. Elle chante bien, elle parle bien. Ouais. Merci beaucoup. C'est une belle rencontre. Hein, ouais. C'est un plaisir d'être ici. Merci pour moi. Ben, merci moi aussi. Merci. Dites voir Emmanuel Carrière. Oui, mon cher Christian. Moi, j'aimerais bien. Bon, puisqu'elle est là, profitons-en. Vous qui faites que le vieillissement arrive n'arrive pas très 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 rapidement. Vous ralentissez un petit peu le vieillissement, non ? On s'en occupe, oui. Vous occupez. Alors moi, ralentir. J'aimerais beaucoup que vous puissiez vous occuper d'Yvette Aguilère. Parce que... Mais je ne saurais pas par... Non, parce que... Il faut que je commence par où ? Je ne sais pas, vous commencez par ce que vous voulez. Mais tu sais, est-ce qu'il y a une possibilité d'arrêter le vieillissement ? On n'arrête pas, on le ralentit. Au moins de le ralentir. On peut le ralentir et le régénérer, oui. On peut vivre mieux, ouais. Voilà, et mieux accompagner. La mienne Jean-Luc était remarquable tout à l'heure. Pour ça, je ne suis pas beaucoup intervenu, parce qu'il dit ça avec une... Ça fait quand même... Combien d'années que vous faites ça, en fait, sur ce livre ? Oh là là, ça fait... Enfin, que je me... Très longtemps, très longtemps. Très longtemps. Ouais. Bah, le sida m'a forcément amené à ça, quoi. Ouais. Donc oui, l'accompagnement ou la régénération, bah, on peut gagner quand même pas mal d'années. 10 ans hein. Ouais, Yvette, au moins, ouais, 10-12 ans. Ouais. 10 ans moins, déjà. Moi, je ne vieillis pas. J'ai toujours été vieille. Voilà, c'est ma mais devise. C'est quoi, c'est une un fonds de commerce. Ouais. Oui, mais c'est quoi exactement la médecine du futur ? Ben, c'est la médecine par les ondes, ce sont les lasers, les champs magnétiques, oui. Les radiofréquences, la haute tension, tout ce qui est électrique, électromagnétique. Mm-hmm. Donc c'est de la stimulation, de la régénération, on va permettre à stimuler le corps... et les énergies, le corps, l'âme et l'esprit, on va permettre vraiment de booster cela dans le sens de la vie. Donc on est ce promoteur de la vie. Puisqu'on a parlé de la mort tout à l'heure, là on est promoteur de la vie. Donc on est sur la médecine dite régénératrice. Mm-hmm. Voilà. Alors les ondes, bah, tout le monde connaît les IRM, le scanner. Donc là on fait de l'imagerie. Mais aussi on a les ondes qui stimulent la vie. Voilà. Comme le laser, il y en a qui font des épilations au laser. Peut-être Yvette fait des épilations laser. Ça lui coûte une fortune, mon pauvre ami. Je viens tous les jours te voir. Hein. Et donc, on peut intervenir sur le corps métabolique de la même manière, oui, de redonner de la lumière à l'intérieur du corps. Sur le corps que tu veux. On en est fait. Métabolique ou pas. On est fait de lumière. Et donc, c'est juste de la lumière. Et en fait, comme on est fait beaucoup d'eau, et le vieillissement, c'est un appauvrissement de l'hydratation, de l'eau. Moins on a d'eau, plus on vieillit. Donc l'hydratation est importante. Pour ça qu'on a... Il faut boire. Moi, je bois pas beaucoup manger. En plus. Alors, pour rester jeune, en deux phrases. Pour rester jeune, en deux phrases. Il faut boire, mais de il l'eau, faut boire. Hein. Oui. Oui, il faut boire, moi je bois pas. Hein. Ben, j'irais presque en trois mots. Il faut avoir une bonne pensée, une bonne énergie et du mouvement. Bouger, du mouvement, une bonne pensée et une belle énergie. Ça te va ? Et manger sainement aussi. Donc c'est ce qu'on trouve ici dans cette émission. Pourquoi je suis là de temps en temps ? Bah, c'est pour mettre en lumière aussi l'intimité de chacun. Comment des artistes font ? On l'a vu avec Popek. On l'a vu avec d'autres. Qui est actuellement en spectacle jusqu'à la fin de l'année, tous les dimanches. Il y a des gens qui sont sur scène, comme Charles Trenet était longtemps sur scène, comme d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Comment ils mangent ? Comment ils s'entraînent ? Comment ils dorment ? On a parlé du trac aussi la dernière fois, du stress, monter sur scène, ou quand il y a des gens qui sont devant
1000, 2000, 3000 ou 80 000 personnes. Comment fait-on? Voilà pour. Mais c'est positif vraiment... quand même cela, le trac. Oui, oui, il est stimulant. On peut parler de la peur de la mort. Voilà, c'est on pourrait vraiment faire un long discours dessus. Et c'est justement de rassurer et de sécuriser. C'est de mettre mot par informer et surtout être bien accompagné. Donc c'est la médecine de la lumière. La lumière soigne comme le soleil soigne, comme le magnétisme, l'infrarouge et le laser. Donc c'est anti-inflammatoire, antalgique, biorégénérant. Donc c'est ce que l'on fait. Voilà, à modique somme de 299 euros par jour. Merci Pierre Belmar. Voilà. Non, après, on a des supplémentations alimentaires. Dans des villes modernes, dans où on est tous voilà, sous-alimentés. Des compléments alimentaires. Il faut le faire. Donc oui, il y a la complémentation, il y a l'hygiène de vie, il y a le sommeil, il y a tout ça. Voilà. Tout ce que... Toute la vie de Yvette Leglaire. Hein. Je suis assez mal barré. Et surtout, mal barré. Hein. Bon. Surtout, si je peux me permettre, d'être bien entouré. D'être bien. Bah, là, c'est formidable. L'environnement est bon. Il a bien rattrapé. On a rajeuni de 10 ans là ce soir. Il a bien rattrapé. Merci en tout cas, mes amis, d'être venus. Merci à Jean-Luc Roméo Michel, le serment de Berne, voilà, qui vient de sortir. On en parle beaucoup, vous faites beaucoup de médias hein, actuellement, et c'est un plaisir et un honneur de vous avoir reçu. C'est un honneur pour moi. Mais il faut continuer. Vraiment, j'encourage, c'était vraiment super. Là-dessus. Merci à Jackie, évidemment. Qui est bravo, Jackie. Bravo. De Gainsbourg. Fidèle Jackie. Voilà, un grand monsieur de la télévision, producteur. L'aime. Quelqu'un de formidable que j'aime beaucoup aussi. Parce qu'on se voit, mais on se connaît tous très bien. Bébé Ange, avec son clip et l'album qui arrive. Alors, notre ami Godefroy, qui nous a fait beaucoup rire, on va dire ça comme ça. Très bien. C'était très bien. Godefroy. Céline, bien sûr, aussi, qui a chanté en direct. Emmanuel Carrière, notre médecin, docteur. Mais on t'applaudit jamais. Oh, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça. Oh, merci. Christian Lebon. Christian Lebon, bien sûr. Merci également à Philippe Langlois, à la photo. Merci à Erwan, à la réalisation, à notre ami Rabat, directeur d'antenne. Bravo, Rabat. Éric Durand pour la communication. Ouais. Et on va terminer avec vous. C'est vrai? Mais oh, bon, oui, on peut très cher. Bon, on y va, on va te casser. Faut garder le meilleur. Allez, on va rester encore deux petites minutes. Hein. Quand je faisais partout, on me disait toujours on va terminer avec vous. C'est comme ça. Alors, expliquez-nous. Vous allez nous interpréter quel titre? Alors, c'est toi qui l'as choisi, alors tu sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est vous qui allez le dire. C'est une chanson qui s'appelle Chanson de troupes. Oui. Vous connaissez ce que c'est que les troupes? Oui, quel titre? Ah oui, alors dites-nous, c'est quoi? Un couple, c'est un couple à trois. Voilà. D'accord. Voilà, c'est vous ne saviez pas, bébé Ange? Tu sais, bébé Ange. J'ai envie de j'écris un texte parce que je trouve que il faut profiter. Donc, pourquoi s'arrêter à une seule personne? Et puis, c'est un petit nouveau qui a fait la musique, il s'appelle Anthony Fabien. C'est sa première musique pour moi. Il est dans l'album, il est avec nous et dans l'aventure de cet album Place aux femmes. Voilà. Et on va la chanter. Alors, je vous préviens, c'est une petite chanson, mais on peut jamais chanter. Mais bon, voilà. Merci Yvette. On y va. Merci. Allez, on y va dans la joie. Et salut Yvette. À bientôt. Samedi prochain, bien sûr, pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités. En attendant, on termine avec Yvette Leglaire. Oui. Allez-y, ma chère Yvette. Ah, tu fais 1m20 là. Yvette. C'est Mimi Mathilde. Ah, j'adore. Allez, Yvette. C'est bon. On y va? Allez. Un peu plus fort si tu peux. J'ai tellement d'amour à donner. Pourquoi ne pas le partager? Ne jouez pas les troubles faites, car c'est ainsi que je suis faite. Au moment de croquer la pomme, moi je ne fais pas de quartier, j'ai besoin d'avoir de moitié. Quand il y en a pour deux, pour moi il y en a pour trois. J'ai besoin de lui et j'ai besoin de toi. L'un devant et l'autre derrière, je ne reviendrai pas en arrière. Oh que j'aime la rencontre du troisième type. Depuis toujours moi je fais les 3-8. Comme dans le tourbillon de la vie, Gilles c'est mon Jules et Jules aussi.
J'aime la nuit, j'aime le jour. Comme Joséphine, j'ai deux amours. Et si dans les troubles il y a parfois une ou deux jambes de bois, il suffit de se mettre à genoux pour que ça ne se voit plus du tout. C'est comme si on priait Vishnu. Quand il y en a pour deux, pour moi il y en a pour trois. J'ai besoin de lui et j'ai besoin de toi. L'un devant et l'autre derrière, je ne reviendrai pas en arrière. Oh que j'aime la rencontre du troisième type. Depuis toujours moi, je fais les 3-8 comme dans le tourbillon de la vie. Jules c'est mon Jules et Jules aussi. Peut-être qu'un jour un inconnu viendra se joindre à ma tribu, se vantant de ses attributs. J'abandonnerai ma vie de trouble, avec 8 bras on sera poulpe. Quand il y en a pour 3, pour moi il y en a pour 4. Mais j'en ai bien assez de mes deux belâtres, l'un devant et l'autre derrière. Je ne reviendrai pas en arrière. Oh que j'aime la rencontre du troisième type. Depuis toujours moi, je fais les 3-8 comme dans le tourbillon de la vie. Jules c'est mon Jules et Jules aussi. Quand il y en a pour deux, pour moi il y en a pour trois. J'ai besoin de lui et j'ai besoin de toi. La 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 la. Oh que j'aime la rencontre du troisième type. Depuis toujours moi, je fais les 3-8 comme dans le tourbillon de la vie. Jules c'est mon Jules, Jules c'est mon Jules, Jules c'est mon Jules et Jules aussi.